Otep, otep, au otep, au au la famille, otep, au otep, au otep. Au C'est pas mon bali, <laughs> les amis, mais faites comme si c'était mon bali. Le Kamit qui parle au Kamit, aujourd'hui, je suis avec la soeur Konaya Tafaraï. Ma soeur, comment tu vas bah, Je vais bien, merci de m'inviter, otep, tout le monde. Greetings, Ekaro. Je le dis dans plusieurs langues. Je m'excuse pour, euh, pour ce contretemps, puisque ça devait commencer il y a un moment, et puis. Euh les aléas des transports, euh, je suis désolée. Mais ouais. euh, bon, j'espère que l'attente n'en sera que plus euh, fructueuse, puisque c'est très intéressant le thème, le thème qu'on va étudier. Excellent, ma soeur. Parfait. Euh, écoute, bah, Matondo, Matondo, d'avoir fait le déplacement pour pouvoir euh, échanger avec nous euh, tes connaissances, tes, ton travail euh, que tu as fourni. J'imagine ici, c'est un, un travail de recherche de plusieurs années. Euh, les amis, juste avant, j'ai juste envie de savoir que tout est OK, parce que j'avoue que j'ai tourné les boutons à la va-vite vu le retard. Donc, au cas où j'aurais oublié d'appuyer sur un bouton et que vous ne m'entendez pas, mettez en commentaire pour me dire, mon Bali, il euh, y a un problème avec le son ou l'image ou je ne sais pas quoi, d'accord Parce que là, en vérité, je me suis précipité, j'ai fait ça à la va-vite. Donc, mettez en commentaire 5 pour dire que c'est fluide, mon Bali, tu peux y aller, mets le feu. Ou bien s'il y a le moindre souci technique, mettez deux et à ce moment-là, j'essaierai de faire ce qu'il y a à faire. Je passe le hotep à toute ma famille Mountou. Les, les jaloux, vous pouvez toujours euh, vous enterrer, vivant bien sûr. Hein. Euh, sinon, les autres, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et je le redis, abonnez-vous à la chaîne. Je patiente, dès que je vois les cinq, je vous promets que ça va être hardcore. Donc si vous avez de quoi écrire, et de toutes les façons, je l'ai toujours dit, quand vous venez ici, il ne faut pas m'écouter parler. Quand, vous, quand je fais, j'invite des gens ici, c'est pour vous donner de la connaissance. Donc prenez de quoi noter, euh, allez checker les sources et, euh, et allez encore plus loin dans les recherches. Bon, je vois que les cinq c'est OK, maman. Alors beaucoup de gens euh, certainement te découvrent aujourd'hui, ne te connaissent pas, ils se disent ah mais tiens mon bali encore une autre maman et toi quand tu fais venir des gens ici c'est que forcément c'est du lourd. Alors qui est Konaya Tafarai? bonsoir à tous au TEP et Caro greetings. Je suis Konaya Tafaray Tafarup. Euh, J'étudie depuis maintenant huit ans un thème euh, occulté de l'histoire volontairement occulté de l'histoire. En tout cas euh, en France, qui est euh, le marronnage. Donc euh, je suis partie au départ de, de constats, de choses toutes simples. Euh, je me disais, tiens, quand je, je regarde euh, dans le monde caribéen anglophone, il euh, y a énormément de sources. Et nous, euh, on est quand même juste à côté. Euh, C'est quand même étonnant qu'il y ait tous ces, ces héros, tous ces fugitifs, euh, tous ces freedom fighters. Euh, dans les îles, et que nous, euh, Martinique, Guadeloupe, euh, nous n'ayons pas euh, les mêmes sources. Donc et puis il y a eu un deuxième constat aussi, c'est quand j'allais dans les commémorations, donc nous, chez nous, euh, en mai, bah, c'est le mois des abolitions, euh, j'entendais beaucoup parler d'associations de, de victimisation. Donc le nombre de bateaux, le nombre de. les millions. Euh, Effectivement, d'Africains déportés, le génocide dont on ne parle jamais des populations autochtones, qu'on qu appelle Amérindiens, mais ce n'est pas du tout des Amérindiens. Mais voilà, j'entendais beaucoup euh, de la victimisation et ça m'a un petit peu gêné, ça m'a un petit peu euh, alerté plutôt. Et donc j'ai creusé, j'ai creusé jusqu'à euh, trouver de très bonnes sources, de très bons auteurs qui malheureusement euh, ne sont pas mis en avant. Puisqu'ils nous donnent des, euh, des données fiables. Et donc, ça fait huit ans maintenant que je travaille euh, sur ce thème euh, ardemment et je pense euh, toute ma vie. D'accord. Excellent. Bon, comme on a perdu beaucoup de temps et que tu as beaucoup, beaucoup de slides, parce que vraiment, tu es euh, très généreuse là-dessus, quand je t'ai demandé de, de, de venir sur la chaîne, vraiment, tu as rempli, tu as rempli, tu as rempli. Il y en a tellement, les amis, qu'on va directement y aller et je vais te laisser euh, nous présenter ton travail. Vraiment, on peut y aller. Voilà, donc marronnage, je l'ai écrit en premier, en haut, en créole. Euh, euh, marronnage, comme on dit chez nous. Dans les Amériques, on reviendra sur ce terme un petit peu plus loin. Euh, effectivement, je travaille aussi avec des descendants de marrons. Euh, quand je dis je travaille, je les côtoie ils m'ont mis dans leur groupe. Eux montent jusqu'au plus haut niveau, euh, jusqu'à l'ONU, pour, euh, pour dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas que des descendants de marrons. Ils ne sont pas non plus jamaïcains ou trinidadiens ou barbadiens. Ils sont des Africains déportés dans un, dans un espace qu'on a appelé les Amériques. Donc, ils incluent, et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, mais qui est vrai, ils incluent les peuples autochtones qui, eux, ont été génocidés aussi dans ces... Quand je dis les Amériques, moi, je, je me spécialise dessus. Je n'oublie pas du tout... Euh, L'océan Indien qui a subi exactement euh, les mêmes déportations et les mêmes euh, génocides de leur peuple autochtone. Donc, les marrons, il faut les définir en tant qu'Africains déportés, mais également peuples qui se sont fait spolier leurs terres, puisque, euh, ils, par exemple, en Amérique du Sud, c'est des plantations euh, orifères, c'est même pas des plantations, c'est des mines d'or euh, que l'on va euh, euh, exploiter. Donc, on va dégager les populations pour euh, fouiller le sous-sol et Pour tout ramener à la couronne d'Espagne euh, chez nous, euh, bon, bah, c'est une terre assez euh, fertile, euh, donc là, ça va être des plantations de sucre, et le sucre va devenir à cette époque euh, l'or euh, de, de l'Europe. Donc, voilà le, le terme marron. Il faut bien comprendre des fugitifs africains et des peuples autochtones décimés. C'est euh, un premier constat que je fais. Alors, merci parce que c'est vrai que dans la conscience populaire, alors peut-être c'est dû au film. Euh Lorsqu'on parle de l'esclavage, qu'on parle de tout cela, on voit directement les champs de coton. Et on a complètement oublié les mines d'or. Et euh, je sais que dans les mines, le travail. Alors je ne dis pas que les champs de coton, c'est facile, mais les mines d'or, c'est pas de la tarte. Donc euh, c'est bien de le rappeler parce que, euh, voilà, il y avait beaucoup. Les, les, ces noirs-là, euh, quand ils partaient dans les Amériques ou ailleurs, ce n'était pas que pour le coton. Euh, oui, ben de toute façon, quand on regardait les films de cow-boys. Mmh. Il disait bien la ruée vers l'or. Hein. Donc mmh. euh, c'est ça aussi. Hein. Mmh. Haïti, dans l'Est, on le verra dans les slides, il euh, y a de l'or. C'est pour ça que les Espagnols, à un moment, euh, ils revendent la partie ouest aux Français. Euh. Je veux dire, l'esclavage, quelque chose de, de, de lucratif. Hein. Je reviendrai sur, les, sur aussi les définitions euh, validées par des historiens. C'est pas moi qui les ai inventées, je ne prétends rien. Mais qui sont validées par les historiens sur la traite d'êtres humains. La, la traite négrière, il y en a donc trois. Il y a celle de l'Empire ottoman que je n'ai pas traitée dans cette partie-là. Mmh. Il y a la deuxième traite que l'on connaît, la traite transatlantique. Mmh. Et il y a aujourd'hui la traite euh, contemporaine, la traite intra-africaine. Quand vous regardez sur Internet et que vous tapez la traite négrière intra-africaine, c'est les populations africaines que l'on connaît aujourd'hui qui sont déportées pas loin de chez eux ou qui vont peut-être volontairement, naïvement. Euh, en Libye, euh, voilà donc il, la traite elle, elle continue hein. et les critères. Donc euh, je vais les donner tout de suite, comme ça ce sera fait. Mmh. C'est toujours les mêmes. Quand on parle de traite d'êtres humains, c'est le premier critère un commerce international avec un réseau très bien organisé. Ça, c'est le premier critère. Mmh. Le deuxième critère, c'est que c'est toujours à but très lucratif. Le troisième critère, c'est que les personnes... On parle de Razia hein, dans les livres, c'est devenu un peu banal. Mmh. Le troisième critère de, de la traite d'êtres humains, c'est donc euh, ces personnes qui sont kidnappées, on parle de kidnapping, mmh. on parle de terrorisme international, puisqu'on va les parquer dans des calabatos pendant trois mois. dis le euh, Voilà, donc ça c'est le troisième critère. Et le quatrième critère, qui n'est pas toujours vrai, c'est que celui qui fait ça pense que c'est dans un but civilisationnel. Mmh. Et le, 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 les critères donc de, des traites d'êtres humains, c'est ça. Vous pouvez regarder... Euh, euh, voilà. Et donc, les, les États-Unis, euh, vous verrez dans les slides Phil Fixico, mmh. qui est descendant de Seminole Noir, c'est-à-dire l'alliance de ces ancêtres africains qui arrivent euh, sur le territoire des États-Unis et qui font alliance avec euh, d'autres euh, populations, nations indiennes. Mm -hmm. Eux, les, non pas les Amérindiens, c'est un terme qui n'existe pas du tout. Génétiquement parlant, il n'y a pas d'Amérindiens, mais il y a des natifs euh, donc euh, des Amériques. Donc, eux font alliance, ces aïeux fait, font alliance. Avec, euh, entre Africains et donc les natifs, les, comme ils disent. Et euh, eux, ils parlent de terrorisme international. Mais dans, dans, tous, les critères qui, euh, dans tous les critères que tu as mentionnés concernant la traite, est-ce que euh, ces critères existent Parce qu'on dit que les Noirs faisaient la traite eux-mêmes, que les Locodermes n'ont fait que récupérer un business qui était mis déjà en place par les Noirs. Donc en gros, ils sont venus faire les soldes à chaque fois, comme je dis. Est-ce que nous retrouvons, dans tes recherches, en tout cas, tu retrouves les mêmes critères un système bien huilé et tous les autres critères euh, que tu as mis en place. Alors cette question, elle m'est assez souvent posée et j'ai affiné la réponse. Parce que je dirais à qui profite le crime Dis-le. Ça profite encore à ceux qui ont colonisé euh, les, les, les populations dans nos pays Caraïbes, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc, ça ne profite pas du tout à l'Africain, qui, euh, si on prend les critères hein, mmh. euh, d'un commerce, euh, enfin, si on prend le premier critère mmh. qui est à but lucratif, ça ne profite pas à l'Africain, sur le continent. Mmh. Ça ne profite pas aux Caraïbéens, ni aux Américains, euh, aux Afro-Américains. Mmh. Ça profite euh, à ceux qui ont mis ce système-là en place. Donc, j'affine un petit peu ma réponse dans ce sens. Il y a eu aussi la charte du Mandé. Donc, pour ceux qui connaissent, dès le XIIe ou, ou 13e siècle, au Mali, on écrit une charte où il y a sept articles, dont le premier est Toute vie est une vie et tout crime mérite réparation. Donc, déjà, même si peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas là, ça a profité à certains de vendre leurs frères. Ce n'était pas institutionnalisé. dit le fort. Oui, ce n'était pas institutionnalisé. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que, à une époque, en tout cas dans les, dans les colonies françaises, dans les colonies anglaises, je n'ai pas trouvé, par exemple, de code noir. Mais dans les colonies françaises, il y a un code noir qui va régir la vie du captif. Je ne dirais pas de l'esclave, qui va régir la vie du captif. Et donc, euh, le premier article, donc ça va être qu'il a un bien meuble le deuxième article, ça va être qu'il va prendre la religion de son maître. De son maître, entre guillemets. On ne retrouve pas ce genre de d'écrit, d'édit, euh, donc il y en a trois quand même dans l'histoire qui sont assez forts, et qui vont, pardon, <coughs> déstabiliser le, le monde noir. C'est le code noir qu'on ne retrouve pas du tout en Afrique. Toute vie est une vie, on retrouve, toute vie est une vie. Hein euh, le deuxième écrit qui est quand même... Euh, euh, terrible, c'est euh, le pape Nicolas V qui bénit, qui bénit l'esclavage. Hein. Donc c'est un édit, c'est un écrit. Euh, il bénit l'esclavage, il bénit euh, tout ce qui est non blanc. C'est-à-dire tout ce qui est non blanc ne doit pas être sur la planète, ou alors doit être esclavagisé ou christianisé, puisque la religion des rois euh, très tardive hein, en Europe, c'était euh, la religion catholique. Et donc, le troisième, c'est euh, la conférence de Berlin, où là, euh, on se partage euh, l'Afrique en 1885, sans être en Afrique, sans même que les Africains ne soient au courant. Il n'y a jamais eu euh, d'édit, donc d'écrits, donc d'institutions, de textes institutionnalisés de la sorte en Afrique, ni même en Asie. Euh, il n'y en a pas eu, quoi. Ok. Ma soeur, on va poursuivre. On a beaucoup de slides. Oui, oui. Donc, on va, je te laisse euh, développer. Oui. Donc, ici on passe Oui, on passe. Donc, ça c'est le titre générique. Voilà, donc après j'ai je je, mis euh, ces deux définitions. Ces deux définitions, on va dire que dans le, dans le sens commun, le marron voilà, est désigné comme quelqu'un qui fuit la plantation. C'est souvent dans les hauteurs de l'île, puisque les plantations sont. C'est-à-dire que les esclavagistes, pour eux, c'est inaccessible les hauteurs de l'île, bien qu'ils feront beaucoup de raids pour, euh, pour détruire les camps marrons. La première définition, elle est commune, elle est, elle est classique, elle est euh, tout le monde va la comprendre. Donc je, je donne quand même certains termes. Il n'y a pas que le mot marron. Il y a marron, il y a nec marron, il y a runaway, il y a fugitif, il y a freedom fighters. Kumbes, c'est plutôt au Venezuela. Quilombolas, c'est plutôt au Brésil. Euh, Mokambola c'est plutôt euh, Colombie. Bushinengue, ça va être euh, en Guyane française. Et Fimantpansou, c'est plutôt euh, au Suriname. Tous ces termes veulent dire un homme qui fuit la plantation. Donc, euh, voilà. Attends, quand tu dis oui. qu'il fuit la, la plantation, oui. c'est-à-dire que, déjà, ce que je veux savoir, est-ce que ce sont eux-mêmes les Africains qui se sont définis comme ça ou ce sont les maîtres qui les ont définis comme ça Ensuite, oh, oui. lorsque le, le maître définit ces gens comme ça, est-ce que, <coughs> connaissant un peu, alors je ne vais pas influencer ta réponse, mais je sais que le locoderme, euh, si je me mets à la place de l'Ocoderme de l'époque, quand il le dit, est-ce qu'il le dit parce que c'est péjoratif C'est dans le sens, euh, c'est nègres qui fuient leur, leur responsabilité, c'est nègres qui, euh, c'est pas qu'ils fuient dans le sens où euh, ils veulent plus devenir esclaves, mais c'est plutôt dans le sens de l'acheter. Est-ce que c'est dans ce sens-là, à ton avis Enfin, selon toi non, ce, ce, ce n'est non, non, pas dans ce sens. Après, c'est un mot euh, portugais-espagnol. Mmh. C'est les premiers qui ont pris les caravels, qui sont partis, qui ont vendu. Euh, voilà, c'était un gros business pour eux. Euh, non, simaroon, c'est euh, un animal sauvage. Mmh. Non, pardon, un animal domestique qui mmh. repart à l'état sauvage. Donc, un animal domestique qui oui, repart à l'état sauvage. Oui, le, le, la définition. Bah c'est bien ce que j'essaie euh, de, de. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est là où je voulais en venir. Mais je te laisse développer. Je te laisse développer. Oui, le mot cimarron, mmh. c'est un animal dans la langue, dans, mmh. la, dans la linguistique mmh. euh, espagnole, portugaise, mmh. euh, latine, c'est un animal domestique qui repart à l'état sauvage. Or, un, les marrons ne sont pas des animaux, et encore moins domestiques. Donc, il y a cette définition, on va dire. C'est pour ça que j'ai mis la deuxième définition de Patendiaï, qui est beaucoup plus profonde, euh, beaucoup plus réfléchie. Mais c'est pour ça que tous ces mots, euh, par exemple, on, on viendra à la linguistique. Pourquoi euh, au Brésil ou en Amérique du Sud, et je ne dis pas Amérique latine, comme je te le dis, parce que l'Amérique n'est pas latine, ce n'est pas la, la, la terre des latins. Pourquoi en Amérique du Sud, on utilise Quilombo, on utilise Mokombo Pourquoi aux États-Unis, on utilise Freedom Fighters, qui veut dire les combattants de la liberté Pourquoi Parce que Quilombo et Mokombo sont des mots qui-Congo, des mots et on verra que pas mal de pays euh, au Brésil, justement euh, en Colombie, au Panama, euh, à Haïti, euh, ce sont des Congos qui ont été déportés. Donc ils sont arrivés avec leurs mots. Et le fait de, de dire quilombo euh, ou mokambo pour un Congo, tu vas demander demain à un Congo, mmh. moi c'est des Congos qui, qui me disent ça, ça veut dire des camps initiatiques. Chez eux, ce mot-là, il existe. Donc ils préfèrent s'approprier, et, et c'est pour ça que j'ai mis euh, pas que le mot marron en fait, parce que si euh, marron, c'est euh, utilisé en Jamaïque, c'est utilisé dans les langues, dans les pays latins, ils disent que c'est un animal domestique qui repart à l'état sauvage. Donc déjà c'est mal considéré l'humanité dans son ensemble. Ça c'est la première définition. La deuxième définition, elle se trouve dans le livre Tarana, euh, donc où l'Amérique précolombienne qui est écrit par Patendia, et qui est quand même un grand euh, euh, chercheur anthropologue qui a fait qui était pro, qui est professeur dans pas mal d'universités aux États-Unis et qui lui dit Tarana. Euh, et le nom qu'utilisait, donc déjà le, le nom Amérique, euh, c'est très récent, hein. Tarana est le nom qu'utilisaient avant les conquêtes européennes pour désigner leur continent les natifs africains, Marana, Maran, Maroon ou Nègre Marron. Le fait qu'ils partent en exil volontairement, pour eux, ils étaient déjà des marrons. Donc j'ai mis les deux définitions. La deuxième définition, c'est... Euh, j'aimerais je, je qu'elle se développe dans l'esprit des gens et qu'il y ait euh, une ambivalence. Parce que quand on dit, euh, oui, c'était des Cimarron », tout le monde écrit, mais même des gens qui sont euh, très pour euh, les, les rébellions, les révoltes, les insurrections, mais il faudrait quand même qu'on qu arrête de les appeler Cimarron », parce que tant la langue du, 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 enfin, du, de celui qui a, qui a fait euh, ses crimes contre l'humanité, encore une fois, Puisque c'est une loi qui est sortie en 2001, crime contre l'humanité. Euh, ce ne sont pas des animaux domestiques qui repartent à l'état sauvage. Donc j'ai mis les deux pour que, voilà. Moi ça fait quand même huit ans que je je m'habitue avec ce vocabulaire-là. Donc ça me paraît maintenant euh, tellement évident. Mais je laisse le choix aux gens de, enfin d'avoir ce choix euh, aussi quoi. Voilà. On passe à la prochaine slide. Oui. Voilà, donc c'était aussi pour expliquer que euh, ce mot Amérique, euh, on, en, on en a fait tout un. Oh là là, c'est. Oh là l'Amérique, là, enfin bon, voilà. Le rêve américain. Enfin, je ne vais pas expliquer le symbole. Euh, on a vu que ça s'appelait déjà pas Amérique, mais Tarana. Donc, ça, c'est parce que c'est des Africains qui sont partis. Les autochtones, eux, vont appeler euh, ce continent. Alors, je vais peut-être me tromper de terme, mais c'est comme euh, yabahaya », quelque chose comme ça. Et ce, ce mot se retrouve du nord au, au sud euh, des, des Amériques pour désigner ce continent. Ça, c'est quand les populations euh, qui sortent des Bahamas vont euh, vers euh, les Grandes Antilles et les populations qui sortent du Venezuela vont vers les Petites Antilles, on va dire. Euh, voilà. Et donc, il y a eu depuis euh, tant et tant de temps des navigations, des rois africains qui se sont installés volontairement. Donc, on va dire que maintenant, on peut, on peut admettre que c'est eux les maranes, marouns, marrons, qu'ils s'installent dans les Amériques. Et j'ai mis quelques exemples, euh, quelques raisons pourquoi ils s'installent dans les Amériques. Donc, je dis qu'en Égypte antique, et je m'appuie euh, aussi sur... Euh, euh, Ivan Van Sertima, donc euh, paten qui confirment dans leurs recherches euh, les navigations séculaires permanentes de euh, ces populations africaines qui vont vers les Amériques. Et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai mis la carte des courants marins, c'est toujours les mêmes. Et dernièrement, il y a un anthropologue, j'étais à Lyon, un anthropologue, un français, qui m'a dit de toute façon, quand un bateau sénégalais. Euh, Enfin, de l'Afrique de l'Ouest, euh, est perdu en mer, il se, lève il se laisse dériver, il arrive automatiquement au Mexique. Ce sont des courants marins, c'est naturel. C'est comme ça. Voilà. Donc, il y a cette vague d'arrivée d'Africains qui va euh, donc s'installer euh, dans les Amériques, qui ne va pas s'installer, euh, qui fait des. Une partie va s'installer, disons, au Mexique. C'est là où ils arrivent, c'est au Mexique. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis cette, euh, cette slide qui n'a rien à voir effectivement avec le, le, le thème que je développe marronnage, mais ça a été mon introduction pour dire pourquoi je prends cette. Euh, euh, toujours pour parler des noms, toujours pour parler que dès qu'ils arrivent dans un endroit, ils vont renommer et ils vont effacer euh, l'identité de la personne ils vont effacer le nom du pays ils vont effacer le nom des, des, des personnes. Voilà, donc ça, ça m'apportait d'introduire euh, mon, mon, mon sujet euh, en parlant d'abord de l'arrivée africaine, enfin des Africains dans les Amériques. Voilà. Donc après, il y a des preuves qui sont apportées. Euh, donc il faut. Je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, enfin tous, mais en tout cas, il y a, euh, on, il y a euh, Gary Young, Ajammu, Gary Adjamou Young, excusez-moi. Euh, qui lui euh, a fait toute une thèse sur euh, ces euh, populations africaines qui arrivent dans les Amériques et donc la partie du milieu est très intéressante puisqu'on prend des photos donc, des Olmecs, alors après je ne dis pas que toute la civilisation des Amériques euh, était des Africains, hein, mais c'est la première civilisation qui apporte euh, donc son savoir euh, dans cet espace euh, géographique. Et la partie du milieu est intéressante puisque toutes ces photos de Holmec, je pense que vous les avez déjà vues euh, tant et tant de fois. Par contre, il n'y a qu'en 1985 qu'on va prendre en photo, enfin, pas prendre en photo, découvrir une photo euh, de dos. Et de dos, on voit une coiffure. Quand on voit les, les, ce qu'on appelle les Amérindiens, les natifs, ils n'ont pas de tresse, ils n'ont pas de perles. Ils n'ont pas de tresse collée sur la tête. Ce n'est pas non plus une coiffure européenne. Ce qui prouve, c'est une preuve scientifique, que les Africains ont voyagé vers les Amériques. Voilà, c'était. Voilà. Donc, ensuite, moi, j'ai aussi des débats avec d'autres personnes à l'international qui pensent, qui pensent tout à fait le contraire, qui pensent que les, les pyramides sont plus anciennes au Brésil, quand. Euh, Qu'en Afrique antique. Donc, euh, la, la pyramide de, de Saqqara ou de Gizeh, apparemment, sont plus anciennes que celles qui sont dans les Amériques. Bon, après, ce ne sont que des sources euh, écrites. Donc, on ne peut pas. Euh, je ne vais pas me battre euh, pour ça. Je ne vais pas euh, me fâcher, en tout cas, avec les personnes euh, pour ça. Après, il y a des, des preuves quand même scientifiques, voilà, où on va retrouver, on dit, dans la grotte euh, à l'est d'Acapulco. Des cérémonies spirituelles qui n'existaient pas dans les Amériques. Donc c'est bien un apport. Ce qui ne veut pas dire que ces gens-là n'étaient pas spirituels. C'est pas ce que je dis. Euh, mais voilà, c'est des, des, des sources, des preuves scientifiques euh, qui sont euh, qui sont pas toujours euh, acceptées. Voilà. Donc c'est lui si vous pouvez regarder sa, sa vidéo qui dure une heure et demie, qui apporte pas mal de preuves. Euh, qui cite Ivan van Sertima. Je crois que tu as fait une émission aussi euh, avec une sœur qui a parlé aussi de, de cet apport, enfin de la présence africaine voilà, euh, dans l'Amérique ancienne. Euh, donc voilà, Patendia, Ivan van Sertima, ce n'est pas qu'ils défendent cette thèse, c'est qu'ils apportent des preuves. Voilà, c'est pas simplement une, une opinion où on se fâche. Euh, voilà, c'est des preuves. Voilà, donc, on peut, on peut avancer. Donc, ensuite, on arrive sur... Voilà, ce qu ils, eux, ils appellent Indian Nation, mais en fait, c'est les natifs. Euh, les natifs, ce ne sont pas des Indiens dans le sens génétique, puisque les Indiens vivent en Inde. Mais dans, ce, dans cet hémisphère, Christophe Colomb, qui lui cherchait une route pour aller vers les Indes, quand son navigateur... Amerigo Vespucci pointe du doigt une terre. Il pense que c'est les Indes. Et d'ailleurs chez nous, euh, on dit, enfin moi je suis de, de la Caraïbe, Martinique, on dit West Indies, ça veut dire les Indes de l'Ouest, alors qu'en réalité géographiquement ça veut rien dire. Mais donc j'ai déjà euh, donné voilà qu'est-ce qu'un autochtone. Euh, donc ce sont voilà des gens qui habitent dans une région géographique et qui ont euh, non seulement des ben, ils sont voisins, mais ils ont des valeurs communes. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces euh, nations, on va dire, euh, euh, des, des, des autochtones, voilà, des indigènes. Euh, on retrouve des valeurs communes. Et donc après, il faut fouiller. Euh, on va rentrer un petit peu plus dans le détail euh, avec les, les différentes slides. Vous allez voir euh, qu'elles ont vraiment des, des, des valeurs communes. Donc on va un petit peu avancer. Voilà. Donc, ces populations, même si elles sont. <coughs> pardon. Même si elles sont euh, euh, très. Euh, euh, même, si elles sont, même si elles ont leurs valeurs communes, selon l'environnement où elles sont, et ça, c'est vraiment aussi euh, quelque chose de très important dans nos vies, selon l'environnement où l'on vit, on bénéficie. Euh, des richesses ou de la pauvreté de, de, de cet environnement. Forcément, un environnement euh, va avoir une influence sur nous. Donc on voit que, par exemple, il y en a qui utilisent la pirogue, euh, qui ont l'abondance de la mer, d'autres euh, qui sont plus euh, nomades, parce que bon bah autour d'eux, euh, c'est sec, il n'y a pas d'eau, de, euh, tout simplement. Et on va s'intéresser maintenant à la dernière partie, donc euh, à ceux du, du sud-est. Donc, en bas de la carte, vers le, le rose, là, euh, européens et américains ont perturbé et détruit les populations indigènes de la Floride espagnole, puisque les Espagnols et les Portugais, quand ils perdent un combat d'un de, 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 côté, ils vont euh, en coloniser un de l'autre. Donc, ils sont euh, en permanence euh, dans la course à, à la richesse. On, on l'a dit, un des critères, c'est être lucratif. Hein. Voilà. Donc,. Euh, il y a des séminoles noirs qui vont donc euh, se, se former par l'alliance, comme je vous ai dit, de certaines nations indiennes, indiennes, nations des premiers peuples, des, des autochtones et des africains qui, eux, vont fuir euh, euh, pour marronner. Et donc, ça donne les séminoles noirs. C'est ce qu'on va comprendre dans la slide suivante. Alors, je connais assez bien, c'est euh, Phil Fixico qui m'a envoyé ces photos quand je lui ai dit que j'allais passer dans ton émission. Euh, donc, il m'a envoyé ces photos. Lui, c'est un, voilà, un activiste séminole noir. Ses parents, ses aïeux étaient euh, donc sa grand-mère était une. Euh, Peut-être une chiroquie, je ne pourrais pas dire le nom euh, de la nation indienne. Et son arrière-grand-père était un marron. Euh, voilà. Et donc, les deux, comme je disais, se font spolier leurs terres. Donc, ils, se, ils, ils font des alliances, et on verra à la slide d'après euh, sa famille, hein, c'est vraiment euh, sa famille, euh, l'alliance qu'ils forment pour ne faire qu'un contre l'envahisseur. Euh, mmh. Voilà, mon frère, il m'a dit, je devrais les appeler euh, les euro-américains, puisqu'il y a les afro-américains, mmh. il y a les natifs américains. Et donc, euh, oui, pour, pour vraiment... Euh, qu'on se comprenne, il euh, y a les Euro-Américains, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps et qui se prennent pour des Américains. Mmh. Voilà. Donc là, il y a certains membres de, de sa famille, euh, chefs des nations autochtones, voilà, qui ont combattu contre les Européens. Euh, voilà. Donc il y avait cinq nations indiennes, les Cherokees, les Creeks, Choctaw, Chicago euh, et Séminoles, mmh. qui vont s'allier pour euh, combattre. Euh, pour garder leur terre aussi pour garder leurs valeur parce qu'on leur amène aussi l'alcool on leur amène aussi, leur amène aussi euh, la monogamie on leur emmène euh, euh, la religion on leur emmène le vêtement on leur emmène on, on va expurger leur, euh, leur manière de vivre pour, euh, parce que ce sont euh, des sauvages hein, euh, euh, clairement euh, on les désigne comme des sauvages Et puis il y a une autre communauté parce que Phil il fait aussi beaucoup de, de partenariats, donc, aux États-Unis, qui s'appellent les goulas Djechi, euh, qui, eux, sont Congo. Et donc, eux, euh, bah, ils militent aussi. Alors, c'est Marquette, que je crois qu'elle est au milieu, euh, à côté de lui, avec la casquette en haut. Mmh. Euh, elle aussi, elle milite. Donc, c'est des nations Congo. Alors, eux, ils n'ont pas été, à mon sens, marrons, mais on trouve pas mal de vidéos. Eux, ils ont racheté toutes les terres de leurs aïeux qui étaient des esclaves. – J'ai pas entendu. – Oui, ils ont racheté toutes les terres de leurs aïeux qui étaient des esclaves. Et donc, ils vivent, ils continuent vraiment euh, euh, à vivre euh, de cette manière-là. Donc, c'est des terres euh, agricoles. Et donc, euh, et donc, voilà, ils cultivent, euh, ils font leurs cérémonies, euh, ils, leur, ils ont leur dieu, ils ont leur divinité, et voilà. – Et c'est des Congo, c'est des, euh, des anciens esclaves Congo euh, ?– Oui. – C'est ça que tu me dis ?– Oui, oui. – D'accord. Voilà, les Goula Gucci, euh, ils parlent une langue d'ailleurs qui est dérivée euh, du Kikongo. Ah bon Oui. Et quand tu regardes, mais sur Internet, tu trouves tellement de sources. C'est là que tu te dis, mais c'est pas possible que moi plus je cherche, plus je trouve des choses incroyables qui ne sont pas cachées, mais qui ne sont pas divulguées non plus. Mmh. Voilà, qui ne sont pas divulguées. Donc voilà. Donc ensuite, euh... donc, Phil travaille aussi avec. Euh... Euh, ce... Enfin, Fort mosé ça a été un, voilà, un fort qui a... où il y a eu la première communauté d'Africains marrons en Floride qui ont été armés. Et qui ont été armés par les Espagnols, puisque la Floride était espagnole à un moment. Avant, elle était des, elle était des... des peuples euh, premiers, hein, des natifs américains, des nations, euh, on va dire, entre guillemets, indiennes. Et ça a été donc pris par les Espagnols. Et comme les Anglais arrivent sur le terrain, c'est des guerres... Euh, européennes qui se font euh, dans les Caraïbes, c'est des guerres européennes qui se font dans les Amériques. Euh, ils, vont, ils vont armer donc euh, ce premier euh, ancien esclave qui s'appelle Francisco Menendez, voilà né en Gambie, euh, kidnappé, euh, etc. Euh, ils, vont armer, ils vont armer cette, euh, euh, cette, cette milice africaine euh, pour se protéger. Ça va être les avant-gardistes, on va dire, de, des Espagnols. Euh, la seule condition. Ils sont libres, mais ils doivent se convertir. Euh, Au okay. chrétiennisme. Voilà. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Euh, bon. Et donc, euh, voilà, on peut passer. Donc, Phil, il travaille beaucoup avec, euh, avec ses, euh, tous ces mouvements euh, activistes, euh, euh, on va dire, euh, euh, ancestraux, quoi. Entre guillemets, ancestraux, parce que eux, ce sont des descendants. Donc, ils font le, le devoir de mémoire. Alors, il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. C'est. Euh, voilà le marais, le grand marais lugubre qui l'état de Virginie, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est le premier état euh, où il va y avoir euh, l'esclavage. Il y a des états où il n'y en a pas eu. Bon après partout il y a eu de la ségrégation, bon, ça c'est un petit peu plus tard dans l'histoire, mais en tout cas la Virginie, et la Caroline du Sud, du Nord, pardon, c'est euh, deux états où il y a eu énormément euh, où, les, où les gens arrivaient mais bon il faut dire aussi il y a un port hein, où les gens arrivaient euh, par voie de navigation. Et donc il y a eu ce grand marais où les gens n'ont pas euh, vivaient en parallèle. Quand vous regardez le grand marais euh, donc euh, dans cette région, euh, les, les gens vivaient en parallèle, c'était des marrons, hein. c'est des nègres marrons toujours, ou c'était des, des populations euh, premières euh, du, du sol américain, mais ils, ils, ne, subit pas ils ne subissaient pas euh, l'esclavage. Donc ils s'étaient retranchés, ils avaient leur mode de vie. Il euh, y a le livre là en bas. Euh, Écrit par, euh, bah, par un américain, un euro-américain, euh, qui détaille beaucoup euh, la manière dont vivaient, euh, dont vivaient les marrons à cette époque, donc dans ce grand euh, marais euh, euh, en Virginie. Voilà, donc après, je l'ai appelé du marronnage à l'émancipation, c'est-à-dire que les quatre personnages que l'on voit, donc vous devez les connaître, euh, sont passés vraiment du marronage, de l'esclavage au marronnage et à l'émancipation. D'ailleurs, Marcus Garvey parle beaucoup euh, de Sojourner True euh, en tant que notre Jeanne d'Arc euh, africaine. Mm. Oui. Donc après, j'ai détaillé, euh, voilà, elle a fait un discours, ne suis-je pas une femme euh, I'm not I'm a woman. Et en fait, ça a été repris euh, comme euh, par les anglophones, en fait, hein, des années plus tard. Euh, comme euh, ne suis-je pas, suis pas un homme, puisque bon, on disait que les Noirs n'étaient pas des, des hommes. Mmh. Voilà. Donc, elle, elle a euh, beaucoup œuvré euh, pour euh, le, droit, voilà, le droit à la propriété des Afro-Américains, du de tra de travail légal, euh, puisque bon, l'Afro-Américain, même au sortir de l'esclavage, n'a pas le droit d'avoir des ambitions, n'a pas le droit de vouloir faire tel ou tel travail. Euh, même s'il est très intelligent, euh, il ne sera pas avocat, il ne sera pas comptable, il ne sera pas. Euh, voilà. Il y a quand même des. Dans l'histoire, et ça, heureusement que ça. qu'il faut crever l'abcès. Et voilà. Euh, dans l'histoire, il y a eu un moment où l'homme noir, la femme noire ne, ne pouvaient pas choisir leur métier. Et même leur famille. Alors c'est très intéressant de lire euh, Richard Wright je ne sais pas si vous connaissez, Richard Wright, qui lui, sa mère était malade, et sa grand-mère euh, est au sortir de, de l'esclavage aux États-Unis. Et lui, il veut être écrivain, au même titre que Frédéric Douglas. Et sa grand-mère lui dit, mais tu te rends compte, il y a une malédiction sur nous, tu ne vas jamais à l'église évangéliste, hmm. alors qu'on est baptisé, tu vas être écrivain, malédiction sur ta mère, elle tombe tout le temps malade. Et lui, il en, il en rigole, elle lui dit, pourquoi tu ne vas pas, euh, euh, bah, comme les autres, euh, demander un travail à, à décharger des cagettes euh, de légumes pour euh, pour le magasin d'à côté et donc les magasins d'à côté c'est des Irlandais c'est voilà c'est une communauté euh, je ne vais pas citer le nom parce que voilà mais c'est des, des personnes qui ont euh, pignon sur rue mais qui ne il y avait il y avait des grades en fait et j'ai enlevé des slides parce que justement il y a certains mots qui sont nés de cet esclavage comme le mot Pigmentocratie. Ça veut dire quoi ça Alors, selon ton taux de, de, de pigmentation, de mélanine, tu es plus ou moins en haut ou en bas de l'échelle. Ah ouais. Voilà. Donc, pigmentocratie, c'est un mot qui existe, mais qui existe récemment. C'est-à-dire, c'est pas un mot euh, ancestral non plus. C'est un mot qui existe comme plantocratie, c'est euh, le fait d'avoir eu euh, euh, des revenus par rapport à une plantation. Donc, il y avait des systèmes plantocratiques, on va dire, qui ont duré 400 ans, qui ont enrichi certains. Et il euh, y, y a aussi ce mot euh, pigmentocratie comme colorisme. Ou aux États-Unis, le colorisme, euh, bah voilà, selon, selon ton ton taux de mélanine. Si tu es plus noir, euh, comme aux Antilles, hein, euh, Nous on a, on a eu des mots euh, comme euh, chivé sauvé. Enfin, ça va parler à certaines personnes. Chivé sauvé. Oui. Quand un enfant quoi, naît et qu'il a les cheveux plus ou moins lisses, on dit qu'il est sauvé, quoi. Quoi Non, mais ça, c'est pas aujourd'hui. Hein. Oh. Mais ça a été... Non, non, ce n'est pas aujourd'hui. Oui, mais n'empêche. Mais... Oui, oui, c'est choquant, hein. mais c'est très choquant. Hein. Et ça... Ou quand tu ne te coiffes pas, que tu mets des locks, à une certaine... Euh... Euh, je dirais, il y a peut-être 40 ans, euh... Euh... on te dit euh, chivé grainé on te dit neg marron, quoi. On te dit, ou sens, on est marron, où ça, ou sans marron Mais ça veut dire que... C'était un côté mal vu, c'était un côté. Euh, euh... Attends, c'est-à-dire <coughs> que tu es tu en train de me dire que oui. quand tu avais des locks euh, aux Antilles, on te traite oui. de neg marron, ça veut dire que c'est péjoratif, marron Oui, bien sûr, c'est péjoratif. Pas être, aujourd'hui. Être, être... Non, à l'époque, ça veut dire je veux juste comprendre. Hein. Oui, oui. Euh, à l'époque, il fut un temps, quand tu disais ne... un autre noir te traite de neg marron, c'est pas positif, c'est oui. négatif. C'est ça ouais, que c'est négatif, oui. ouais, wow. oh, ouais c'est négatif. C'est chaud. Oui. Alors c'est pas forcément un autre noir de ta génération, c'est ta grand-mère ou ouais, tu vois, parce que t'as pas envie de te coiffer et tout, elle te dit mais comme Peter Tosh, Peter Tosh il a dit que lui dans sa famille on lui parce qu'il était ch... il était il chantait dans les chœurs, il il faisait des chœurs, il... il était... ils étaient tous obligés d'aller à l'église. Et ben on lui lissait les cheveux pendant des heures et c'était c'était toujours grainé, quoi, ses cheveux étaient toujours euh... en rébellion. Ben oui ses cheveux étaient ses cheveux étaient des cheveux euh... pardon j'ai perdu l'oreillette. Bah, ses cheveux étaient, euh, correspondaient tout à fait à, sa, à lui. Eh c'est chaud, ma sœur. Oui, c'est des, des, des conséquences. C'est des conséquences de, dramatiques. C'est des conséquences dramatiques. Et c'est là qu'on verra qu'il y a des conséquences euh, identitaires, des conséquences sur, euh, sur nos populations, sur euh, la sœur Djalissa Sekhmet qui fait le livre « Trop beau, mes cheveux afro ». Elle ne le fait pas par hasard. Parce que euh, les gens aujourd'hui, voilà, il y, y a des conséquences dramatiques sur euh, le fait de s'accepter, parce qu'on t'a toujours montré que tu es en bas de l'échelle, parce que voilà. Donc après, il faut, faut lire entre les lignes, faut voilà. Ok, ma soeur. Oui. Donc Frédéric Douglas, euh, magnifique, euh, qui lui comprend très tôt. Lui pour moi, euh, lui c'est le, le Franz Fanon euh, des États-Unis. Il est très psychiatrique dans sa. très psychologue dans sa démarche d'expliquer de... l'esclavage. Parce qu'il dit justement par des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, il donne un exemple très clair. Euh, les esclavagistes sont très sont plus cool en fin d'année, c'est-à-dire entre Noël et le jour de l'an. Donc, euh, les captifs travaillent moins. Euh, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent sur certaines plantations. Hein. Et lui, il y voit un piège de ah oh, il, il est quand même pas si si mauvais mmh. tu vois il voit le, le vice quoi mmh, mmh. à certaines fêtes mmh. à Pâques euh, voilà ou aujourd'hui c'est Pâques euh, voilà aujourd'hui c'est donc ah oh, ils sont pas ils sont pas si mauvais finalement mmh. donc lui il voit il voit ça lui, et dans son livre, il écrit ça. Il a, voilà, il a, écrit à, à, il a appris à écrire tout seul. Euh, C'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait des planteurs blancs euh, à côté de lui, dans sa plantation, mais qui des fois, il y avait des cyclones. Des fois, il y avait des tempêtes. Donc, il n'y avait pas de récolte. Mmh. De toute façon, c'était des fois indépendant de, du travail de, du captif. Donc, des fois, il y avait des, des, des cyclones qui duraient 4 jours, qui duraient.. Deux. Bon, la récolte, en, en, en deux secondes, elle est, elle est par terre. Mmh. Tu vois Alors... Euh, c'est pas, pas de la faute de personne donc les gens ont faim donc lui il donne à manger euh, à des petits blancs dans les plantations à côté et ils lui apprennent à lire mmh. et comme ça après il va il va s'armer en fait il va s'armer de connaissances et c'est pour ça que voilà comme Garvey comme euh, tant d'autres nous disent qu'aujourd'hui euh, la connaissance est une arme effectivement c'est pas la peine de s'armer avec des pistolets dans les poches pour euh, à, moins de, à moins que ce soit la légitime défense mais bon, et encore, on verra, quoi. Brésil, euh, légitime défense, c'est... Wow. Donc, Non, Thunemann, qu'on ne présente plus, hein, euh, euh, la Moïse Noire, qui... Voilà, qui fuit les plantations, qui... Il y a 700 à 800 personnes qu'elle a... Qu a sauvées. Et... Bah, un exemple pour nous tous, un exemple de courage et voilà, je comprends pas pourquoi moi ces gens-là on n'en parle pas. Et encore elle, elle est connue, voilà, on a fait un film, mais il y en a tant d'autres, il y en a, il y en a tant d'autres. Il y a un écrivain brésilien, il a dit que y a, ça a duré 400 ans et que chaque jour, chaque jour, il y avait une insurrection, il y avait une révolte, il y avait une rébellion. Donc si on devait mettre une, un point rouge à l'endroit où il y avait une insurrection, une rébellion. Euh, C'est-à-dire, quand il y a oppression, il y a, il y a forcément euh, euh, lutte. C'est obligé. C'est naturel. Mmh. C'est euh, humain. Tu vois Donc, dès qu'il y a oppression. Donc, si on mettait un point rouge sur les 400 ans, il y aurait des points rouges partout. Ah oui. Mais tu ne trouves pas que. Quelque part, il y a quand même de l'ingratitude de, du fait des, des, enfin, des Africains en général, des Noirs en général, parce que comme tu as dit, il y en a tant d'autres. Et mm -hmm. on, on, on galère à citer leurs noms parce qu'au final, nous n'avons pas fait ce travail. Parce que bien sûr, on va dire qu'on n'a pas été éduqué, mais même là aujourd'hui, à l'heure d'Internet, alors que tout est accessible, nous continuons à ne pas faire ce travail. Et tu ne trouves pas qu'il y a quand même un peu d'ingratitude quand même qu ah, que Moi, en je trouve toi que c'est très ingrat. Hmm ah, moi, je trouve que c'est très très ingrat. Après, moi, j'ai la chance voilà, les, de côtoyer des personnes qui m'envoient des données. Euh, je peux traduire aussi. Vraiment, maintenant, j'ai envie d'apprendre à parler espagnol ou portugais, brésilien. Parce qu'il y a énormément d'écrivains afro-brésiliens qui racontent ces histoires. Euh, et oui, oui, c'est très ingrat. Mais ça vient. Parce qu'il y a huit ans, quand je faisais une comémo euh, un 10 mai ou le mois des abolitions en mai. Et que je parlais des marrons et que je parlais des fois des révoltes et euh, des atrocités qu'ils faisaient en citant que l'esclavage était institutionnalisé, c'est-à-dire que bon, euh, si le planteur n'avait pas assez, euh, il prenait ta femme, il la couplait avec un autre homme, euh, devant son mari, et il fallait faire de la main d'œuvre. Ça, ça n'a choqué personne, hein. c'était institutionnalisé. Attends, j'ai pas compris ta phrase. Quoi, 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 quoi as dit quoi Je disais que quand je parlais en public mmh. et que je disais que l'esclavage était institutionnalisé au point que un couple marié, mmh. par exemple de captifs, mmh. le blanc pouvait décider de prendre ta femme, mmh. de la vendre sur une autre plantation, ou de la faire accoupler par euh, quelqu'un d'autre pour qu'elle ait, ou même ton mari, de le faire accoupler à plusieurs femmes pour qu'il ait de la main-d'œuvre. C'était juste de la main-d'œuvre. C'était de la marchandise. Ça ne, ça ne choque pas vraiment les gens, parce qu'on dirait que ça fait 400 ans qu'ils entendent ça. Mmh. Mais quand tu dis, euh, lui, il est venu, il a tué 1000 blancs en. Comme la révolution de, de Saint-Domingue, ils ont tué en, du, du, du la révolution, donc il y en a qui disent de Saint-Domingue, la révolution haïtienne, on va se comprendre du bois caillement, où il y a mille blancs qui meurent en dix jours. Euh, là, tout le monde est... Ah oh, bon, ils ont fait ça, waouh, wow, dis donc. Bah ouais, mais les gars, euh, voilà, quoi, c'était juste euh, la légitime défense, quoi. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Et c'est ça qui est dommage. Mais en même temps, euh, le chemin commence à se faire. Euh, voilà, la, la vapeur commence à se renverser. Et je sais que même au plus haut niveau, euh, euh, pas au plus haut niveau, mais où l'histoire où est écrite aux États-Unis sur les marrons, ceux qui ont envie de savoir, ils savent. Même euh, ce qui se passe dans les Antilles françaises, euh, c'est écrit en anglais, c'est écrit dans toutes les langues, sauf en français. Bon, bref, dommage. Euh, c'est quand même. Euh, pas quelque chose dont les gens sont fiers. Mmh. Et moi, ça me bah, ça me rend fier d'en parler. Mais des fois, on, on... c'est-à-dire qu'il y a huit ans, quand j'en parlais, dans les commémorations où les gens me disaient il y a eu tant de bateaux, il y a eu tant de millions de morts. Euh, pour eux aussi, ils disaient que l'esclavage, c'était le. Non, pardon. Le marronnage ou la résistance, c'était les femmes qui se suicidaient, qui se jetaient des bateaux euh, enceintes pour ne pas. Euh... Subir de l'autre côté. Je disais, mais là, non, mais il valait mieux tuer le, le navigateur. Bon, je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place. Je ne peux pas parler comme ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est de, de la résistance, mais c'est de la fatalité, en fait. Alors qu'il y en a qui ont lutté, qui ont souffert, qui ont des fois été exécutés, des femmes qui ont été violées, mais qui n'ont rien lâché, qui, à leur tour, ont rendu la monnaie de la pièce, puisque c'est de la légitime défense. Puisqu'aujourd'hui, il y a des commémorations dans le sens plus jamais ça. C'est bien que ça a été... Euh, c'est reconnu de crime contre l'humanité. Donc voilà, tout crime mérite réparation. Et c'est un des articles aussi de la Charte du Mandé euh, depuis 1200. Donc, euh. donc Phyllis Wesley, elle n'a pas fui les plantations. Elle, elle est arrivée, elle a été kidnappée. Hein. Ils ont tous été kidnappés dans des razias, de toute façon, en Afrique, transportés. Ou alors, arrivée en Europe, c'était des, des Européens qui vendaient en Europe euh, des, des captifs. Mais elle, elle, a été, euh, elle est écrivain. Et donc, elle a été remarquée très jeune. Et il y a, y a fallu qu'elle prouve euh, qu'elle avait cette intelligence. Et donc, c'est là où c'est quand même assez dur, puisqu'elle était enfant. Et elle a écrit des, des livres. Et voilà, elle a écrit des livres bah d'ailleurs sur les atrocités de, de l'esclavage. Et, et sa résistance, ça a été l'écriture. Donc ça aussi, c'est magnifique. Mmh. Voilà. Alors après, on passe euh, à une amie, euh, enfin une amie euh, WhatsApp. Hein. <laughs> Je ne l'ai encore jamais vue, mais j'ai espoir. Une, une Sista que je côtoie depuis pas mal d'années, donc euh, qui elle, est les descendants de marrons de Trinidad, et on les appelle les Mericanes. Donc, ils ont une histoire particulière c'est que ce sont des afro-américains marrons, fugitifs, runaway, freedom fighters, qui s'échappent des plantations aux États-Unis. Et comme il y a toujours une rivalité, les Hollandais, les Anglais. Euh, qui veulent tel côté, tel côté, eux, ils font une, une, une guerre à côté des Anglais, dans la seule condition qu'on les rapatrie hors des États-Unis. Et donc, ça, ça fonctionne. Il y a des fois eu des, des connexions aussi comme ça qu'on ignore, où les, où les captifs sont arrivés sur le sol américain et sont repartis, euh, des bateaux ont été affrétés pour qu'ils repartent, alors des fois pas dans le lieu de son choix. Mais en tout cas, eux, ils sont repartis. Ils ont choisi Trinidad. Il y en a qui sont repartis au Canada. Et il y en a qui, sont, qui ont demandé à repartir au Nigeria. Et donc, ils s'appellent les Mehican. Donc, ils sont d'ascendance nigériane. Et ils euh, pratiquent euh, très ardemment la tradition Yoruba. D'ailleurs, si tu veux, on pourrait même regarder euh, la petite vidéo, puisque Akila fait partie de ses descendants de marron. C'est elle qui m'a envoyé les images et moi, j'ai fait un montage. Euh, euh, voilà. sur la première Voilà, c'est celle-ci. C'est Aquila qui vit donc à Trinidad et qui est euh, Yoruba. Donc voilà, là elle explique euh, donc euh, ce sacrifice qu'ont fait ces Afro-Américains euh, de faire cette guerre en 1812 aux côtés des Anglais. Donc euh, ils sont rapatriés, eux choisissent ses hein, aïeux donc, euh, dans six villages à Trinidad, où ils, le, où ils sont toujours. Voilà, ils sont d'origine Nigeria donc Yoruba. Et donc, elle, elle est devenue maintenant activiste. Euh, donc ça, c'est l'histoire des Américaines. Ils se sont fixés des objectifs. C'est-à-dire que en tant qu'autochtones, nigeria, à Trinidad, ils ne consomment qu'entre eux. Ça, c'est la parcelle euh, qu'on leur a laissée. Il y a six villages. Euh, ils s'attellent à euh, travailler entre eux, à promouvoir... Euh, leur culture à consommer euh, leurs denrées, à donc euh, euh, tout utiliser autour de la nature, comme me dit Akila. La nature est une force et notre force provient de la nature parce qu'ils ne se sentent avant de se sentir trinidadien, bien sûr, ils se sentent africains, autochtones. Voilà, ça c'est un mot euh, très important. Donc voilà, elle conscientise aussi les écoles, elle a aussi ce côté euh, euh, environnemental. C'est des personnes qui montent au plus haut niveau de. Enfin, qui montent à l'ONU. Donc là, c'est Oshun, c'est. Euh, on va dire une image euh, au bord de. Elle vit en forêt. Elle vit en forêt à Trinidad et donc ils ont leur culte, ils ont leur. Euh, <coughs> pardon. Leur. Euh, leur tradition yoruba et c'est très important pour eux de prier leur divinité. En forêt, il y a des divinités. Voilà, donc elle monte après. Euh, ce projet-là, Community Reforestation Project, parce que il y a aussi Trinidad étant à côté de, euh, comment dire, c'est la dernière île, on va dire, avant, avant l'Amérique du Sud, avant le Venezuela, etc. Il y a aussi beaucoup de feux de forêt là-bas, mmh. donc il faut beaucoup. Et puis bon, il y a le réchauffement climatique maintenant. Alors ça, c'est un logo qu'ils ont fait il y a que deux ans, où ils ont fait un rassemblement de marrons en Dominique sur l'île de la Dominique qui est plus euh, vers mon île euh, en Martinique. Là, c'était des photos très récentes de la célébration de la terre euh, pour remercier euh, le fait qu'ils soient là, qu'ils soient entre eux, qu'ils puissent euh, euh, commémorer toujours euh, leurs ancêtres. Alors ça c'est une image que j'ai prise parce que les Orisha sont des esprits dans la nature, ça aussi c'est pas elle qui me l'a envoyé, c'est euh, pour euh, commémorer les ancêtres qui sont toujours en Afrique. Et donc, cette dernière partie, ils chantent. Euh, c'est une commémoration. Là, ça vaut peut-être le coup de mettre un petit peu de son. Ah, Parce... je, je pas, je ah tu l'as pas mis, ouais. c'est pas grave. Donc là, ils sont... Euh... C'était en, en avril, je crois, où ils commémorent, euh... ils dansent, ils ressentent ce qu'ont pu vivre leurs ancêtres, comment ils ont marronné, comment ils se sont libérés, et euh, ils, re, ils refont cette cérémonie. Euh... Voilà. Wow. Oui. Ils il continuent à perpétuer la mémoire. Oui. Le temps passe. Et, oui. Et euh, ils font tout pour ne pas oublier. Tout. Mais vraiment tout. Phil aussi, ils ont la fête du maïs aux États-Unis, les Séminoles, euh, parce qu'ils ont tenu avec le maïs. maïs. Est-ce que euh, les, les gouvernements oui. africains euh, ont un lien avec. Euh, ces diasporas-là, toutes ces personnes qui ont milité. Oui. Est-ce qu'il y a ces, ce lien qui se fait Mais je, au niveau des États, hein, pas une personne qui, euh, qui, qui, qui le fait. Euh, ah oui. Ça, bah, ça se fait En tout cas, euh, Fidelia, elle, elle est liée au Ghana. Mmh. Euh, donc c'est assez beau son histoire puisqu'elle a été déportée, ses aïeux ont été déportés du Ghana vers le Suriname. Et là, maintenant, elle est ambassadrice du Suriname au Ghana. Et comment elle a connu Aquila, comment elle a connu Gloria c'est justement par des réunions de femmes marronnes. Et eux sont montés aux États-Unis pour faire un forum permanent, depuis c'était avant Covid, ils font ça tous les deux ans, un forum permanent pour les peuples autochtones. C'est-à-dire ne nous appelons pas Martiniquais, Guadeloupéens, euh, Trinidadiens, Jamaïcains, euh, Afro-Américains. Comme le dit euh, très justement euh, John Henry Clark, il faut que les, les Afros se rappellent. Que les bateaux négriers n'ont transporté aucun Jamaïcain, aucun Trinidadien, aucun Barbadien, aucun Martiniquais. Les bateaux négriers n'ont transporté que des nations africaines et qui se sont alliées avec des populations autochtones. Et donc, ça, c'est très important pour notre identité. Et quand, on, on, quand Aquila, qui est tout en blanc, là, on la voit avec le collier, mmh. monte aux États-Unis, euh, aux Nations Unies, et elle y était encore, c'est-à-dire qu'elle m'explique que quand tu arrives aux Nations Unies, euh, on te dit des fois c'est à Genève des fois c'est aux États-Unis des fois c'est là on te demande qui es-tu comment tu te définis mais si tu, moi je vais me définir comme une française en dire bah, écoutez vous avez une carte vitale euh, euh, qu'est-ce que vous voulez quoi voilà. mais si je me définis comme une autochtone eh ben le, les autochtones ils ont des droits donc ça touche le juridique ça touche pas mal de ça touche les réparations moi je n'ai pas le discours des réparations mais je connais des frères à Paris qui sont très sur les réparations euh, voilà oh, okay. oui, oui. ils se connaissent euh... tous hein, Phil Akila enfin ils se côtoient ils, voilà alors là on est revenu en arrière je vais passer celle là oui oh, ça on l'a déjà vu oui, oui on l'a vu on vu. tu me dis euh, je continue <coughs> oui oui donc là ensuite il euh, faudra re re revenir un tout petit peu en avant sur la slide d'avant en fait c'est euh, justement les, le peuple de Saint Vincent Saint-Vincent, c'est une petite île aussi qui est euh... c'est juste la slide d'après, pardon. Parce que ça, c'est Trinidad dans la vue. Voilà. Maintenant, il y a un autre peuple et je suis aussi en liaison euh, euh, assez rare, mais avec eux. Mais quand je demande une info et que ça concerne euh, justement de la transmission comme ça, ils sont là et c'est ça qui est magnifique. Donc là, je suis aussi en, en, en relation avec une autre personne euh, qui se fait appeler Garifuna Duval. On le trouve sur Facebook, il est très sympa. Garifuna, Duval, Blanco, Ariola, et lui, il est de Saint Vincent. C'est-à-dire que eux prétendent qu'ils sont arrivés dans les petites Antilles, donc Martinique, Guadeloupe. Eux, ils sont à Saint Vincent et les Grenadines euh, avec des bateaux et des navires africains dès 1200. cest n'ai j'ai pas entendu. Tu peux répéter ce? Oui, ils sont arrivés. Dans les Amériques et donc dans les Antilles sur des bateaux africains depuis 1200 et ensuite ils vont être déportés eux-mêmes ils vont s'exiler quand les Européens vont arriver puisque les petites Antilles c'est faire 1635 euh, qu'ils vont euh, venir dans les petites Antilles en tout cas Martinique Guadeloupe euh, eux ils vont se retirer en Amérique centrale euh, donc tu peux, et donc comment il s'appelle ce, ce peuple qui est commun à tous ces pays d'amérique du sud? ce peuple s'appelle les garifuna. et encore une fois, l'île de saint-vincent, ben, elle ne s'appelait pas l'île de saint-vincent. Voilà, les garifuna font alliance par mariage, donc avec euh, les peuples euh, de yurumein. Euh, c'est le nom arawak de l'île de saint-vincent. Euh, voilà. et l'île de saint-vincent, donc elle est, euh, elle est tout en bas là, euh, sur la, la carte et euh, voilà Martinique Guadeloupe c'est pas très loin euh, et donc euh, lui me dit que non euh, de entre 900 et 1200 il y a eu beaucoup euh, de personnes enfin de, de bateaux il parle de 2000 navires euh, qui arrivent euh, dans cette région du monde ils font alliance avec des femmes arawak euh, ensuite il y a eu également euh, des migrations donc ça c'est un peu plus tard 1700 ou là nous en 1630 euh, les Français débarquent dans les... enfin, Martinique-Guadeloupe, et vont esclavagiser, vont emmener des populations africaines. Euh, donc là, ensuite, comme l'île de Saint-Vincent et l'île de la Dominique ne sont pas prises en tant que plantation, beaucoup de, beaucoup de personnes de Martinique, de Guadeloupe et de Sainte-Lucie, qui elles sont des colonies françaises, vont fuir, et vont fuir à Saint-Vincent et en Dominique. Voilà, donc euh, voilà. c'est lui, hein, euh, Garifuna Duval. Euh, voilà, donc il explique, il vit aux États-Unis, mais il est souvent, euh, au, il est du Honduras en fait, en, en Amérique centrale. Euh, et il explique donc cette cérémonie du Dougou, et il explique que comment ils ont tenu euh, quand les Français arrivent euh, euh, à Saint-Vincent, bah, tout simplement pour remettre euh, l'esclavage. Hein. Euh, c'est un système de croyance qu'ils avaient préservé. Euh, alors, je ne serais pas experte hein, pour expliquer euh, ce qu'est la cérémonie du Dougou, mais lui, il euh, y a une vidéo euh, que je n'ai pas là, je, je ne l'ai pas, c'est dommage. Il m'envoie des vidéos et il m'explique que voilà, les tambours Garifuna, voilà, ça signifie ça, ça, ça. Il y a le nom du tambour en bas. Hein. Voilà. Donc, il y a eu, voilà, à partir de 1635, Martinique, Guadeloupe, Saint-Lucie bah, subissent l'esclavage des Français. Qu'est-ce que font les Garifuna qui sont déjà installés Donc les Garifunas, faut comprendre, c'est comme les Séminoles noirs. Les Garifuna, c'est alliance entre les Arawaks, cette fois dans la partie euh, euh, des Petites Antilles, et les Africains qui sont arrivés en 1200. Euh, donc eux, ils, vont, ils fuient dans les îles euh, voisines. Et euh, donc il y a des chefs. Donc ce chef Garifuna, alors on trouve deux orthographes, selon qu'on prend en français ou en anglais. On trouve Joseph Chatoyé. Et quand c'est en anglais, on trouve Joseph chatoyé mais S-H-A-T-O-W-E-Y. Mais c'est la même personne. Alors selon après le traducteur et tout, et c'est pour ça qu'il faut aussi être assez... Euh, euh, il faut recouper les sources, parce qu'on peut parler de la même personne et se dire, mais c'est bizarre, lui il s'appelle comme ça, l'autre s'appelle comme ça. Bon, en réalité c'est la même personne, c'est juste que c'est un, d'une langue à l'autre, en orthographie euh, pas de la même façon. Donc voilà. Et après, il y a une falsification de l'histoire où, comme certains Européens ne reconnaissent pas, ne veulent pas reconnaître cette présence africaine dans les Amériques, ils vont inventer des naufrages de bateaux pour dire tiens, en telle année, il y a eu des naufrages de bateaux. Donc, euh, <coughs> pardon, Gary Founa Duval, il m'a envoyé euh, un petit article avec euh, je ne sais pas combien de naufrages de bateaux. Que les anglais auraient dit ah ben les africains ils sont arrivés de cette manière-là et en réalité quand on cherche dans les archives il y en a pas. C'est une falsification volontaire de l'histoire. Donc ensuite euh, voilà, je vais parler de marronnage au Mexique. Alors j'essaie toujours de trouver un peuple marron qui est autochtone et qui résiste. Oui. Et un peuple euh, euh, qui arrive, africain, et qui résiste. Et moi, j'ai juste plus d'images. Pas si plus d'images Oui, ça vient juste de se couper. Ouais. Oui. Okay. Euh, un instant oh. Ah, voilà, voilà donc comme je disais, euh, là c'est le marronnage au Mexique, et donc il y a la nation, alors peut-être que je prononce très mal, Acaxi qui est de souche qui va résister contre euh, les Espagnols, et puis donc il y a toujours une, une nation africaine qui elle arrive, bah, par euh, malheureusement par des bateaux négriers euh, et qui va elle. Euh, ce qui va, elle, s'allier ou pas hein, euh, avec euh, la population euh, autochtone, en tout cas, euh, essayer de se, de se défendre. Euh... Ah. J'ai fait une petite bêtise. Un, et... un, un ah, instant. Voilà. Tu, je te laisse mettre l'oreillette. Oui, voilà, parce que voilà. Sinon, tu mets l'autre, hein, la deuxième, euh, oui. qui est de l'autre côté. Déconnecté. Euh, ça s'est pas déconnecté, mais c'est juste que j'arrive pas trop à la placer. Oh, on, continue, on continue à parler parce que la légende. Oui, voilà. Oui, oui. Donc ensuite, ben, on voit que cette cette résistance et ces marrons oubliés de l'histoire, comme je le dis, il y en a énormément. Moi, je vous parle en plus des plus connus, hein, parce que quand vous prenez après euh, les révoltes au Panama, euh, tous les jours, vous trouvez des révoltes... Merci. Tous les jours, vous trouvez des révoltes au Panama, hein, pendant cette période. Hein. Euh, donc, il euh, y a celui euh, qui, est, qui est assez connu, qui est Bayano. Donc, pareil, j'essaie de trouver l'origine. Des fois, il y a l'origine. Des fois, on me dit, ah, ben, selon le nom... Euh, donc, lui, euh, il serait mandingue. Euh, et donc, il serait euh, déporté. Et vous pouvez retrouver à peu près. Je mets, je mets les grands traits de de son histoire euh, pour pouvoir euh, bah pour pouvoir voilà. C'est des pistes de recherche. Hein. Moi, ça fait pas mal d'années que je fais des recherches, mais comme je vous dis, tous les jours, j'en je, trouve énormément. Voilà. Donc lui, c'est un résistant. Lui aussi, il est du du mes, du Mexique. Gaspar Yanga et lui, donc, il va parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont tellement féroces aussi de leur côté et ce sont des guerriers, ce sont, euh, ce sont des personnes qui en afrique étaient des rois, étaient euh, des personnes qui, de lignée royale, euh, qui avaient une instruction, qui avaient euh, un, un savoir faire, même au niveau des arts martiaux. et donc euh, quand ils arrivent en afrique, euh, bon, lui par exemple, il obtient des terres, donc il va fonder la ville de san lorenzo de los negros à veracruz. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des descendants de marrons dans cette ville. Ah ouais Oui, oui. Bah, ils le sont tous, hein, de toute façon. Hein. Euh, dans tous les noms que tu vas voir et que tu vas, tu vas chercher, tu vas trouver qu'il y a des descendants de marrons. Par exemple, au Brésil, c'est Bahia. Il y a une grosse euh, euh, comment dire, concentration d'afro-brésiliens. Euh, et donc, c'est des descendants de, de captifs. Voilà, on peut faire la slide suivante. Donc ensuite, on arrive vers les grandes Antilles. Donc les grandes Antilles, c'est grand par leur superficie. Donc on va trouver Cuba, on va trouver euh, République dominicaine et Haïti, qui aujourd'hui sont deux républiques qui à une époque étaient un seul, euh, une seule terre, qui, qui sont toujours une seule terre, mais qui sont divisées euh, un côté espagnol, un côté français. Il y a Puerto Rico, et puis il y a la Jamaïque, qui sont considérées comme les grandes Antilles. Tous ces gens-là, après... Euh, euh, que ce soit de Cuba, euh, Bahamas, jusqu'à Trinidad, ce sont des iliens. Ce sont des gens qui, qui vivent dans les îles, qui, qui maîtrisent la navigation, en tout cas leurs aïeux maîtrisaient la navigation, et allaient euh, d'île en île, euh, c'est un archipel, allaient hein, d'île en île sans problème, sans difficulté. Hein. Donc voilà, donc là on va parler un petit peu des, du marronnage dans les grandes Antilles. Donc euh, après avoir vu qu'est-ce qu'étaient les grandes Antilles. Donc Cuba, lui, il est très intéressant. Euh, vous allez trouver euh, sa biographie, mais même euh, pas mal d'informations. C'est donc euh, Esteban Montero euh, qui lui va marronner pendant 40 ans. Et euh, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que Cuba et euh, Haïti ne sont pas loin au niveau euh, géographie. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 kilomètres entre. Là, on voit un petit peu le bout de Haïti et puis le de Cuba, euh, donc en bas à droite. Donc, c'est après 80 kilomètres. Et donc, euh, quand Haïti va, va prendre son, sa libération, eh bien, tous, ceux, tous les planteurs français qui ont pu euh, garder leurs marchandises, entre guillemets, excusez-moi de ce terme, qui ont pu garder leurs captifs, vont les vendre à Cuba. Donc, de toute façon, ils, ils les vendent tout le temps. Les gens sont déplacés, 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 on ne peut pas s'imaginer. Euh, donc, ils les vendent à Cuba. Et les parents voilà, d'Esteban font partie euh, de cette vente. Donc lui, il va, euh, il va arriver à, à Cuba et il va fuir très tôt. Euh, il va madronner pendant 40 ans. Et quand on l'écoute, parce qu'il a écrit un livre il n'y a pas longtemps, il a appris à lire. Euh, euh, ah non, non, non excusez-moi, ce n'était pas lui. Mais. Euh, quand il, va, et quand il explique sa vie dans son livre, bon, il n'a pas écrit son livre, on lui a écrit son livre, mais c'est quand même sa, son autobiographie, il explique justement qu'il est euh, tellement euh, emprunt de cette culture yoruba, il sait tellement que en priant ses ancêtres, euh, il va s'en sortir, qu'il euh, qu a la foi. quoi. Donc en fait, il reste euh, seul, il baronne 40 ans il y a plein de camps euh, marrons à Cuba. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui s'appelle euh, « La grande guerre de, des marrons de Cuba ». Et en réalité, cette guerre, elle dure 52 ans. 52 ans, elle dure, la guerre des marrons oh. de Cuba. Oui, oui, oui. Les guerres durent 52 ans. C'est-à-dire que dans les 52 ans, il y en a qui tombent. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais ils lâchent rien, quoi. Donc, elle aussi, je l'ai connue en, en faisant euh, ce... Voilà, en faisant les slides, en regardant un petit peu plus sur Cuba. Donc, elle s'appelle Carlota... Et donc, elle a, elle a été aussi à l'initiative d'une rébellion d'esclaves. De, elle va être exécutée avec son mari. Mais en tout cas, l'histoire la, la retient euh, comme une héroïne de, de afro-cubaine. Voilà. Donc, Carlota. Alors, ensuite, on va passer dans une deuxième île euh, qui était donc euh, euh, Boyo ou Kiskeia. Je reviens toujours au nom. Je reviens toujours à cette. Euh, à ces noms qui sont, voilà, euh, Santo Domingo, euh, euh, non, Santo Domingo n'est pas d'origine haïtienne, Santo euh, c'est saint, Domingo c'est dimanche. Quand il est arrivé euh, sur cette partie de l'île, finalement, euh, c'était un dimanche, donc il l'a appelé Santo Domingo. Hein. Mais l'île s'appelait Boyo ou quisqueya donc de son nom Arawak. Quand on regarde, on va, on va trouver justement euh, les cinq euh, caciques. Les cinq caciques, pardon, qui sont donc des royaumes, avec le nom de tous les de tous les caciques cette fois, hommes comme femmes à l'époque, ils avaient des déesses euh, comme euh, ils avaient des déesses mères comme euh, comme divinités. C'est un peu la même euh, cosmogonie, on va dire qu'en Afrique, mais c'est arawak. Et donc, on voit bien que les noms ne sont pas du tout euh, Santo Domingo, etc. Jaragua, Maguana, la partie Magua où il y a le plus d'or que les, que les Espagnols vont garder, euh, Marienne et puis euh, Uguay. Et dans la partie donc, du bas, euh, on verra plus loin qu'il y a eu euh, un camp de marrons euh, donc, euh, entre Haïti et la République Dominicaine, parce que c'est vraiment entre les deux où les gens ont tenu euh, pas mal d'années. Voilà, donc ça s'appelait... Euh, voilà. Donc après, j'ai j'étends un petit peu sur euh, les résistants les plus connus euh, de, de de cette période esclavagiste euh, à Boyo, à Kiskeia. Euh, donc c'est Mackendhal, Dutty Bookman, Cécile Fatiman, qui ont qui euh, investi la cérémonie du Bois Caïman, Abdaraya Toya, et donc euh, goman Et donc euh, sur les slides suivantes, il y a donc le détail... Euh, de qui ils étaient. Alors c'est intéressant aussi de, de regarder sur Internet. Alors Makanda, euh, c'est un nom euh, congo, mais souvent on le trouve avec un L, Makandal, euh, donc prêtre vaudou. Euh, il organise des cérémonies, il est très craint ils connaissent tous l'usage des plantes, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté. Puisque quand ils quittent l'Afrique, qui est un climat chaud, tropical, ils arrivent dans les Amériques, qui est aussi, bon, à part les États-Unis ou certains États où il fait froid, euh, ils arrivent aussi dans un climat chaud et tropical. Et souvent, les plantes se, se ressemblent et leurs propriétés sont les mêmes. Donc lui, il est assez euh, virulent. Euh, voilà, 30 ans d'insurrection, il sera brûlé. La légende dit qu'il s'est échappé de son bûcher. Bon, ça, c'est la légende, je ne sais pas. Mais après, il y a un livre qui est assez intéressant c'est le premier journal français de l'époque. Alors, j'oublie le nom comme ça, euh, qui est écrit par deux frères, où on trouve 30 pages, euh, quand même, mais vraiment de de, de l'époque de, de cette époque contemporaine, où on trouve 30 pages sur Macandale. Et ce journal s'appelle euh, euh, Les scélérats, euh, quelque chose comme ça. Mais je retrouverai j'essaierai de, de donner le lien à qui ça intéresse. Euh, parce que pour eux, c'est là qu'on voit le. Pour eux, ils sont en mission. Hein. Ils sont, euh, ils sont là pour civilisation, pour civiliser en fait. Donc, euh, voilà. Le, le... Ils ont appelé ce journal alors qu'ils disent que lui ne fait que fuir. Mais c'est vraiment spécial sur lui. Hein. Il ne fait que fuir. Il ne fait qu'empoisonner les gens. Euh, voilà. D'ailleurs, il n'est pas jugé en tant que fugitif. Il est jugé en tant que criminel. Ils disent qu'à l'époque, c'est assez rare parce que, bon, quand tu fuis, tu. On va dire entre guillemets, tu ne remplis pas ton contrat, mais euh, tu es, es un marron, donc tu es puni. Il y a un code. Il euh, y a un article du Claude Noir qui est le code 38, numéro 38, qui dit que, à ta première fuite, euh, tu as telle sanction. À ta deuxième fuite, tu en as une autre. À ta troisième fuite, tu en as une autre. Et puis, c'est la peine de mort. Mais en attendant, c'est pas tant la peine de mort que ça parce qu'il y a tellement de marrons. Qu'il préfèrent les exiler ou les passer d'île en île que de, que de les tuer, hein, parce que c'est quand même de la main-d'œuvre. Hein. Voilà. Euh, voilà. Donc, après, je parle un petit peu de, de ce couple. Alors, je, je ne dis pas couple dans le sens euh, amoureux, mais de ces deux protagonistes, on va dire, duty Bookman et donc euh, Cécile Fatiman, qui sont les instigateurs de cette euh, cérémonie euh, du Bois Caïman. La cérémonie elle dure un certain nombre de jours et donc ça c'est pareil. Euh, dans, dans certains livres ou dans certains témoignages, on retrouve que effectivement, comment ils tiennent, euh, c'est en invoquant leur divinité, en invoquant leur dieu, je le, je le note, les rois, les reines Congo euh, qu que, nous donne, que nous donne la force, que tous les vaillants euh, Congo... Euh, donne la force euh, aux afro-haïtiens Congo pour, euh, pour cette cérémonie et qui va, qui va les amener à leur libération. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'à côté, euh, bon, bah, ce n'est pas du tout euh, du euh, francophone, euh, puisque c'est euh, Black Revolution. Donc, euh, c'est euh, une image que j'emprunte, c'est des images que j'emprunte euh, pour, euh, pour illustrer mes propos. Quoi. Voilà, donc elle aussi assez connue, Victoria Mantou, donc Abdarayatoya, de son nom euh, euh, du Dahomey. Donc elle est euh, Amazon, voilà, et comme je mets, elle a ce double rôle, protection du pays et puis guérisseuse. Et protection du pays, c'est-à-dire euh, qu'elle connaît euh, l'usage du couteau, l'usage du corps à corps. Et donc elle va initier... Euh, Dessalines, le jeune Dessalines à l'époque, puisqu'elle est amie avec sa mère sur une première plantation, elle va, elle sera vendue, elle sera vendue dans une autre plantation parce qu'elle ne fait que retourner l'esprit pour que les gens aient un esprit révolutionnaire et donc euh, elle sera encore vendue sur une troisième plantation euh, non loin de la révolution haïtienne et là elle sera jetée en prison. Euh, Puisqu'elle retourne trop le cerveau des gens, je dirais ça comme ça. Mais euh, donc, euh, elle est très importante aussi. Euh, voilà, une héroïne de la résistante euh, haïtienne. Hein. Oui, oui. Donc encore une autre piste de recherche. Et lui, il est très intéressant. Donc Goman. Alors, il s'appelle en réalité. On le trouve sous le nom de Jean-Baptiste Perrier. Des fois, on le trouve sous le nom de Jean-Baptiste Duperrier. Donc euh, voilà, les sources. Tu vois, les sources, et on ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas. Euh, et donc, lui, où il est intéressant, c'est qu'il a il a été marron. Il a été marron dans ce camp euh, qui s'appelle le Maniel, euh, en... entre... Euh, enfin, c'est Hispaniola, on va dire Hispaniola. Ils ont appelé toute l'île Hispaniola, euh, Espagne. Euh, bon, voilà. Il y avait un camp de marron, et lui, il a été marron avant 1804, pendant des années. Et où il est défenseur de Dessalines, c'est que... Le projet de Dessaline, c'était d'inclure toutes les personnes euh, dans la redistribution des terres. Or, il n'y a eu que des élites, on va dire, euh, qui ont, ont redistribué les terres, même si tout le monde était libre. Euh, ceux qui ont largement participé, donc le monde paysan, le monde agricole, n'a pas euh, bénéficié de cette redistribution de terres. Goman, lui, fera donc deux guerres après euh, la libération d'Haïti. Donc de 1792 à 93, puis de 1807 à 1820, euh, pour pouvoir euh, euh, réclamer et se faire entendre au plus haut niveau de l'État. Alors, il y en a qui disent qu'ils voulaient renverser le président et qu'ils voulaient être président. Et puis euh, d'autres qui voulaient juste euh, euh, que, tout le monde ait, ait, et, que tout le monde respecte le projet de Dessalines, qui a été assassiné en 1806, parce que lui, il avait le projet d'inclure dans la redistribution des terres à euh, d'Haïti euh, tout le monde en fait Mais tout le monde n'était pas d'accord et ils ont même brûlé le drapeau de Dessalines le drapeau d'Haïti qu'on voit aujourd'hui ce n'est pas celui-là le drapeau de Dessalines est rouge avec un lion au milieu et ce drapeau on ne le voit plus voilà donc ensuite euh, alors la communauté d'Hispaniola... Donc euh, Hispaniola, c'était toute cette partie qu'on voit euh, qui s'appelait Hispaniola, Haïti. Euh. Alors on voit maintenant s'appelle Santiago. Euh. Bon, bah, tout ça, c'est des, des noms, euh, euh, des noms de, pas d'origine en tout cas. Euh, voilà, donc là on arrive en, en Jamaïque, où il y a eu aussi euh, des camps de marrons. Il y a eu quatre ou cinq camps de, de marrons, donc vous devez tous connaître euh, la marronne, enfin Nani. Mais il y en a eu tellement d'autres. Euh, ça, c'est des cartes que vous trouvez euh, voilà, sur Internet. Et puis, quand vous faites consulter, euh, on vous dit telle date, telle date. Il y a eu tel marron, tel marron. Au, à tel point qu'ils ont obtenu des terres. Hein, ils ont obtenu des terres comme au Suriname. Mais les Jamaïcains, d'abord, ils ont obtenu des terres en 1740. Des fois, on voit, on voit les Jamaïcains avec un gros collier. C'est marqué 1740. C'est l'année où le roi second, Georges II... Euh, George II à enfin pas abdiquer mais en tout cas à, à donner des titres de propriété à des marrons et donc on retrouve je crois que même que j'avais emmené le document on retrouve euh, ces titres de propriété euh, alors je ne sais pas euh, non je n'ai pas euh, on retrouve ces titres de propriété sur internet ça s'appelle euh, Granted Landed, donc les les, les les terres garanties. Donc, euh, vous pouvez euh, taper ça sur Internet et vous allez trouver, mais sur euh, 10 pages, en écrit tout petit, euh, le nombre de personnes qui, en, entre 1900, 1739 et 1740 en Jamaïque, vont obtenir des lopins de terre. Et c'est souvent, justement, euh, dans les hauteurs de l'île. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Voilà. Donc euh, voilà, donc il y a eu aussi deux guerres, voilà. Donc le roi George II, hein, il attribue des terres. Et à la deuxième guerre, je n'ai pas trouvé, euh, je n'ai pas trouvé d'attribution de terres. Mais sur l'année 1740, il y en a énormément. Alors la descendante de de Marron de Jamaïque que je côtoie aussi, Gloria Sims, elle a été intronisée euh, chef Marron par euh, le Suriname. C'est-à-dire par ses aïeux, par... Euh, elle a des fonctions maintenant dans le monde marron, euh, dans les Amériques, il y a des choses qu'elle qu est obligée de faire, euh, obligée de, à certaines dates euh, de commémorer les ancêtres, de faire certaines cérémonies. Euh, voilà. Donc elle est, elle est, euh, elle est descendante de, de Nani. Elle représente Nani. Euh, voilà. Donc je parlais aussi des, des noms. Voici la carte, et on la trouve assez facilement maintenant. On me l'a envoyée avec les noms d'origine des îles. Donc euh, voilà, Haïti, on voit que c'est Kiskeia. Euh, Jamaïka, la petite île à côté, c'est Zamaïka. Euh, Cuba, donc des... ça reste Cuba, mais il y a encore un autre nom. Martinique, c'est Huana Guadeloupe, c'est Calucaïra, Kala... ou où... voilà. Parce que Kaïra, apparemment, en Arawak, ça veut dire iguane. Et donc, toutes ces terres-là, il y a des iguanes. Donc, on retrouve beaucoup ce, cette terminaison euh, linguistique, on va dire. Donc, euh, alors, le marronnage, cette fois, dans les petites Antilles, par rapport à. Aux Grandes Antilles bah, ce qu'on qu appelle les, les, les lesser Antilles, c'est c'est la superficie de l'île qui est beaucoup plus plus petite euh, voilà j'ai remis les noms arawak euh, des, des îles les noms les premiers noms les noms les plus anciens en tout cas que l'on trouve euh, euh, sur euh, sur les cartes voilà les, les autres sont des noms euh, inventés par exemple la Guadeloupe ça s'est appelé Guadeloupe puisque il a trouvé euh, Christophe Colomb aurait trouvé la Guadeloupe en novembre 93, je crois le 4 novembre, et c'est la, la fête de la Vierge de Guadeloupe en Espagne. Eh ben, ça s'est appelé Guadeloupe. Voilà, c'est tellement euh, des raccourcis. Donc voilà, en 1635, donc, euh, trois colonies Martinique, Guadeloupe et Sainte-Lucie vont être des colonies françaises. Alors la Martinique et la Guadeloupe vont être des colonies françaises et anglaises trois fois. Puisqu'ils font leur guerre intra-guerre dans des, dans des périmètres euh, caribéens. Euh, et donc, euh, l'île va être séparée en deux. Euh, D'un côté, il y a la terre des, des, des colons. Et de l'autre, ils vont attribuer euh, une partie de la terre de Martinique, ce qu'ils appellent les sauvages. Donc, sur la carte, et on retrouve cette carte. Donc, c'est un traité qui est signé en 1657. Il y a eu tellement de guerres entre 1635 et 1657 qu'à un moment, la France dit Bon, on va quand même leur donner des terres. Mais ce qui est trop, c'est que ces terres, ils les avaient déjà, en fait. Et non seulement ils avaient la Martinique tout entière, mais ils avaient euh, la Caraïbe tout entière. Puisque c'est des personnes qui, qui se déplacent énormément en pirogue et qui se connaissent et qui se fréquentent. Euh, voilà. Donc, on trouve Francisque Fabulé, on le trouve aussi. En tant que marron, une bande de 500 marrons, lui il sera déporté de l'île puisque il ne veut pas se calmer, il ne veut, euh, veut pas céder et donc euh, ils, ils, vont le, ils vont le déporter en Afrique. Voilà. Non, les galères à vie, voilà. voilà. Donc Kaloukera ou Karoukera, le nom amérindien donc, euh, de la Guadeloupe, qui avait une identité. Elle, il y a les pétroglyphes. Euh, qu'on trouve à Trois Rivières, donc c'est un endroit euh, assez ancien, et donc on trouve qu'il y avait déjà une population qui communiquait. Et euh, vous tapez pétroglyphes guadeloupéens, bon, je suppose que si les Antillais nous m'entendent, ils vont voir de quoi je parle. Ensuite, la photo du milieu, euh, la ville de Petit Canal en Guadeloupe, c'est une ville très historique. Euh, il y a la prison qui aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un, un, un captif euh, trop rebelle. On le envoyait dans cette prison, ou même quand ils arrivaient, ils arrivaient par la ville de Petit Canal. Et en fait, sur chaque marche, il y a euh, le nom d'une ethnie africaine. Sur la première marche, il y a euh, Yoruba. Sur la deuxième marche, il y a Ibo. Sur la troisième marche, il y a Wolof. Et on trouve ça sur toutes les marches. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec le bateau négrier, vous mettez les ethnies par ethnie. Wow. Et c'est la place, oui, Petit Canal, et c'est la place où on vend par ethnie euh, les, les Africains. On fait 100 mètres, on arrive à l'ancienne prison, euh, voilà. Et on fait 100 mètres en avant, on arrive euh, donc au bord de la mer, où arrive le bateau, euh, où arrivaient les petites barques pour emmener... Euh, voilà, c'est vraiment une ville euh, très forte de... Oui, Charger. oui, d'histoire, oui, en Guadeloupe. Et d'ailleurs, le LKP ou des, des commémorations se font souvent, des revendications se font souvent à Petit Canal. Ça s'appelle le Petit Canal. La ville s'appelle Petit Canal. Et quand tu tapes Petit Canal Guadeloupe, tu vas trouver toute l'histoire de Petit Canal. Et c'est impressionnant de monter ces marches. Et vraiment, sur la première photo, c'est marqué Yoruba. La deuxième, c'est marqué Ibo. La troisième, c'est marqué Wolof. La quatrième, c'est marqué Manding. Oui, oui, oui. Oui. Continue. Oui, donc là c'est un site euh, qu'on peut visiter aussi. Euh, moi je suis jamais allée. Hein. Je suis allée à Petit Canal, mais je suis pas allée là. Ça s'appelle le site des deux mamelles. Et donc euh, c'est un haut lieu du marronnage euh, en Guadeloupe. Donc il y avait euh, voilà le camp euh, Keller ou le camp Mandong. Euh, c'est de 1635 à 1848. Le marron il se défend en fuyant. Il se défend en psychologiquement retrouver un espace de paix. Donc, il se retrouve en forêt, se retrouve dans la nature. Je mets, il reconstruit son habitat africain. Il se réapproprie ses croyances. C'est ça aussi qu'il faut comprendre dans le marronnage. Ce n'est pas fuir pour. Euh, C'est fuir déjà pour refuser d'être un sous-homme, refuser le code noir, puisque nous ne sommes pas des meubles. Euh, voilà, nous n'avons pas à prendre la religion de personne, euh, surtout de force. Euh, donc, euh, c'est un lieu, euh, un lieu du, du haut lieu marronnage, un euh, hein, haut lieu, pardon, du marronnage euh, en Guadeloupe, les deux mamelles. Mmh. Oui. Il euh, y a la rivière Lézarde aussi qui est à côté. Euh, donc, c'est des lieux, bah, évidemment, inaccessibles pour le colon, euh, qui permet de, euh, de, de, de. Voilà, une grosse communauté marronne est, est là, quoi. Mmh. Donc là, c'est à Sainte-Lucie. Enfin, moi, je ne vois pas la carte est coupée, mais c'est pas grave. À Sainte-Lucie, il euh, y a un endroit qui s'appelle Jean Libre. La particularité de Sainte-Lucie, qui est tout à côté de la Martinique, c'est que Sainte-Lucie a été 14 fois anglaise et 14 fois euh, française. Euh, c est, c est... voilà, Un coup, ils il, il, il se font la guerre. Allez, ça y est. Euh, L'île devient française, puis anglaise, puis française, 14 fois de suite. Donc, euh, même date que nous, 1635-1848. Et il y a un lieu voilà, qui s'appelle Fongeant Jean Libre, euh, qui aujourd'hui, quand on y va, il y a des pancartes, c'est marqué Fongeant Jean Libre. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est anglophone. Enfin, les gens parlent anglais. Et donc, c'était aussi le haut lieu du marronnage euh, à Sainte-Lucie. Et donc, il y a euh, euh, Flore Gaillard. vous pouvez la trouver euh, sur Internet, on va l'appeler un moment Flore Bois Gaillard, puisqu'elle va se faire violer. Euh, par euh, Un planteur, euh, et donc elle va fuir, elle va euh, marronner dans ces, dans ces lieux-là, et puis ça va être l'insurrection, euh, ça va être une révolté, quoi. Voilà. Alors, la Dominique, euh, particulier, puisque la Dominique, qui est entre la Martinique et la Guadeloupe, euh, n'est pas prise en esclavage tout de suite, <coughs> donc ça reste un lieu où, justement Martiniquais, Guadeloupéens. Quand je dis Martiniquais ou Guadeloupéens, c'est les Afro euh, qui arrivent dans ces îles euh, peuvent aller en Dominique ou à Saint-Vincent, comme on l'a vit chez les Garifuna, puisqu'ils ne sont pas encore euh, les, les britanniques ou les Anglais ou les Hollandais ou les Espagnols, ou les Portugais ne sont pas encore intéressés par ces lieux. Euh, donc euh, beaucoup de, de résistance. Aujourd'hui, il y a une réserve. Des, des Indiens, enfin des Indiens, des, des peuples autochtones Kalinago, euh, qui sont en Dominique. C'est une très forte euh, communauté euh, Taino, Kalinago, qui est là-bas, et une très forte euh, alliance avec les Africains. Eux ils connaissent très très bien l'histoire, et donc euh, ils font pas mal de festivals, ils sont aussi pas mal de, de commémorations. Et Aquila, elle de Trinidad, il y a deux ans, en 2021, elle a organisé un festival des marrons. Et ce qu'ils font entendre aussi dans leur euh, dans leur tête par marron, c'est beaucoup plus large que ce que nous on, on comprend. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans les critères euh, de de traite d'êtres humains d'avoir été déporté de force, d'avoir subi du terrorisme international, euh, jusqu'à aujourd'hui euh, d'enrichir, puisqu'il y a une, une une culture de la banane une culture de la canne euh, euh, qui coule à flot chez nous et ça ne profite pas à l'autochtone nous sommes des marrons et c'est ce que me dit gloria euh, assez souvent nous sommes nos ancêtres mmh. Mmh. donc il faut bien comprendre que dès lors qu'on est déporté et que nous, on ne l'a pas choisi nous sommes des nègres marrons et ça c'est important aussi pour, euh, pour notre identité voilà, donc la Dominique, elle qui, ne, qui, qui subit l'esclavage tardivement et une grande résistance. C'est-à-dire qu'aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est euh, la géographie de l'île. Si l'île, il y a plein de planques, euh, forcément, euh, ils ne vont pas aller mettre des plantations où il y a. La Dominique, c'est l'île des 365 rivières. Il y a 365 rivières. Waouh. Oui. Il y a, tu peux en visiter une par jour. Waouh. Donc. Euh, c'est pas là-bas que tu vas aller mettre c'est-à-dire il, il y a trois jours de pluie l'île elle est inondée mmh. et c'est aussi géographiquement grave quand il y a des cyclones parce que le euh, quand l'eau elle monte elle monte vite parce que eux ils ont déjà beaucoup de rivières donc euh, voilà et, et, et aussi Barbade Barbade qui est dans les petites Antilles et Puerto Rico qui est à côté de qui est à côté de Jamaïque Cuba etc mmh. eux il y a c'est plat le relief, il est plat, qui fait qu'il n'y a pas de, de planque pour les marrons. Il y a beaucoup d'insurrections, mais on trouve pas beaucoup de marrons. On trouve pas beaucoup de gens qui s'échappent. Ou alors, les gens quand ils s'échappent de Puerto Rico, ils vont dans d'autres îles pour, euh, ils deviennent euh, des fugitifs vraiment de l'île. Mais des fois, le relief fait que euh, tu ne peux, peux pas te, réfugier quoi. Tu ne peux pas voilà. Mmh. Et c'est le cas de la Barbade, c'est le cas de, de Puerto Rico en fait. Le relief ne permet pas, il y a pas de montagne, il y a pas de volcan. Tu ne peux pas trop fuir. Oui, voilà, tu, tu serais visible tout de suite. Il n'y a pas de planque vraiment quoi, ce qui et ça favorise aussi euh, ce genre de lieu, euh, s'il y a beaucoup de relief, ça favorise, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de rivières. <coughs> pardon, pour t'alimenter ou pour euh, tu vois trouver euh, directement euh, de quoi te soigner dans la nature, ça euh, voilà, ça joue aussi sur euh, sur la résistance quoi sur la, la durée de la résistance quoi mmh. alors Fidelia elle dont je parlais tout à l'heure j'en parlais tout à l'heure elle est des tribus Diuka, on trouve beaucoup 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 écrit Diuka avec un n devant et pour eux c'est totalement faux c'est une insulte alors donc c'est vraiment Diuka et euh, c'est une, une des six tribus c'est les mêmes tribus qu Guyade française c'est exactement les mêmes euh, les mêmes traditions, les mêmes valeurs, euh, les mêmes ethnies. Eux ont été pris par les Hollandais donc euh, pour, une, pour une partie au, du Ghana, mais il n'y a pas que des Ghanéens euh, africains qui sont arrivés euh, euh, au Suriname. Mais en tout cas, elle, elle a, ses aïeux, oui. Ils ont fui assez tôt, donc il euh, y a aussi des fleuves. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans l'Amérique du Sud, bon, ils sont au bord de la mer, ils sont au bord des fleuves. C'est ça aussi qui favorise... Euh, L'implantation des camps marrons. Et donc, euh, pour la petite histoire, ben aujourd'hui, elle est ambassadrice du Suriname au Ghana. Voilà, elle est route. Mmh. Et elle a été ambassadrice du Suriname à Trinidad, où elle a rencontré Akila, qui l'a emmenée voir Gloria, ambassadrice du Suriname euh, aussi à, en Jamaïque. Et euh, elle connaît aussi Phil, et ils font pas mal de, de choses respectivement dans leur pays. C'est-à-dire déjà de donner à la jeunesse, de faire des plans pour la jeunesse, pour faire connaître cette histoire. Et surtout que les jeunes n'aient pas honte d'avoir de, de, fui justement. N'aient pas honte. Au contraire, c'est une fierté de dire on a refusé d'être un meuble, on a refusé d'être euh, un sous-homme. A... Ce qui ne veut pas dire que ceux qui étaient sur les plantations étaient des sous-hommes. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Mais euh, des fois, on n'a pas le choix. Il y en a qui n'ont peut-être pas eu d'opportunité, mais les marrons communiquaient beaucoup avec ceux qui étaient sur les plantations. Il y en a qui ont marronné pendant 20 ans à, grâce à ceux qui étaient sur les plantations. <coughs> Pardon. Et ceux qui étaient sur les plantations aussi ont cet esprit de résistance parce qu'ils font du zèle, ils travaillent très lentement, ils cassent les machines. Et par exemple, en Martinique, il y a eu beaucoup de vagues d'empoisonnement du bétail. Des, des personnes, les gens connaissent très bien les plantes, les gens connaissent très bien la botanique à force de, de côtoyer les plantes tous les jours. Donc même qui, ceux qui sont sur, dans les plantations sont des résistants. Alors là, c'est également les Hollandais qui ont fait une colonie. On voit que sur la, la photo euh, à gauche, il y a le Suriname qui était une colonie hollandaise. Le Guyana, c'est toujours le Dutch Guyana aujourd'hui. Euh, et Berbis lui est un euh, pardon c'est une ville c'est une ville euh, où il y a eu un captif qui s'est appelé Kofi qui est d'origine à Cannes et qui a fait une insurrection qui a tellement fait peur au pouvoir esclavagiste que lui on lui a pas donné des terres hein. il a exécuté les gens et il s'est marié avec la, la femme du gouverneur donc euh, cette histoire vous la trouvez euh, voilà donc Berbis révolte euh, en février euh, 17, le 23 février 1765, quand vous tapez Kofi et Berbis, Berbis révolte, vous trouvez un instant. Ah, oui, mmh. <coughs> Pardon. Tu vois là oui, je le vois donc je le commente. Euh, donc en 1600, il voilà, y a les premières euh, habitations esclavagistes au Suriname. Euh, de là, il y a déjà des marrons euh, euh, qui fuient. Et il y a très tôt, euh, enfin très tôt, euh, peut-être 100 ans plus tard, ou ouais, en 1728, euh, les Hollandais qui vont préférer négocier avec euh, les marrons. Donc il y a deux pays où ça se passe vraiment comme ça, où ils obtiennent des terres. Pardon. Et ils ont des titres de propriété. C'est la Jamaïque où il y a les deux guerres marronnes et c'est le Suriname. Dans les autres endroits, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de négociation ou de titre de propriété. Mais là, oui. Et donc, euh, par contre, il y a une tribu sur les six qui refusera toujours de, de négocier. C'est-à-dire que dans la négociation, on te donne des terres, mais tout nouveau fugitif, tu dois le signaler. Ah oui C'est ça. Donc, en fait, de toi, on indique on te met sur exactement. place pour surveiller ceux qui vont arriver. Voilà, exactement. Mais on te donne la paix. Voilà, exactement. Mais les locodermes, c'est des ouf. Et donc, il euh, y, a, y a une tribu voilà qui refuse, c'est Bonnie. Et donc, euh, Bonnie, c'est une femme au départ, elle s'appelle Bonnie, elle est très maltraitée. Ça, c'est l'histoire. Hein. Elle est très maltraitée par euh, euh, celui qui lui sert de allez, je dis, entre guillemets maître. Euh, donc, euh, son propriétaire, c'est dur de, à dire ça. Euh, et donc elle va s'enfuir, et donc elle, met, elle va s'enfuir en forêt, et donc elle va accoucher d'un fils qui s'appelle Bonnie, qui est né libre, qui n'a pas connu la captivité, donc ça c'est au, au, au Suriname toujours, et donc qui, qui sera élevé, lui, par des, des chefs marrons euh, africains, euh, en même temps, dans cette région-là, beaucoup d'Autochtones euh, des premiers peuples, et donc lui ne connaît pas du tout... Euh, euh, les conciliations ne connaît pas du tout le, la négociation, hein. puisque il, 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 il s'engage, mais jusqu'à sa mort, puisqu'il va être exécuté, il s'engage à dès qu'il y a une plantation à brûler, quoi. Ok, oh. aucun, pour lui, aucune, euh, voilà, il ne, il ne, fera aucune négociation, il ne prendra aucun traité tant qu'il y aura des esclaves au, au Suriname, il va, il va continuer la lutte. C'est quoi son nom déjà Bonnie. Bonnie. Ouais, oh. Bonnie. Les enfants, les amis, si vous avez votre femme, et est enceinte, vous cherchez un nom <laughs> Je vous l'offre. Voilà. C'est gratuit. Et puis, oui. Et puis il y a, y a un livre, il y a une BD qui est sortie, moi, que j'ai achetée. Ah ouais ça s'appelle Les Nengue. Parce que Bouchi ça veut dire bois, bouche. Oh. Et Nengue, ça veut dire les hommes. Oh. Et donc, il y a cette... Euh, ce, franchement, la BD, elle est bien, qui explique l'histoire des bonis. Voilà. Donc euh, voilà, eux ils se retirent à un moment, puisqu'on voit il y a les fleuves. Hein, euh, euh, les Bonis, eux, à un moment de l'histoire, ils vont se retirer. Et euh, c'est pareil, c'est des cartes que vous trouvez. Hein. Les six tribus, donc euh, les, les Matai, les Quinti, Saramaka, Djuka, eux ils vont avoir des accords dans le fil du temps. Mmh. Et puis les Bonis, ils seront sous le joug de ces, de ces tribus-là. Ils seront sous la tutelle de ces tribus-là. Et eux, ils refusent. Donc, il quitte euh, le Suriname et il s'installe en Guyane française. Mmh. Voilà. OK. Oui, oui. Donc, la slide suivante. Euh... Voilà, moi, j'ai fait une émission radio en Guadeloupe il y a peut-être deux, trois ans, trois ans, avec Jean Momou, qui lui a écrit, qui est Bonnie. Il travaille à l'université euh, des Antilles-Guyane euh, en Guadeloupe. Et donc, euh, il est prof d'histoire. Et donc, il est, il est boni. Voilà, il est marié avec une Guadeloupéenne, il est boni et euh, Voilà, ça c'est son livre. Et il a préfacé la, la BD euh, Les Nengue. Hein. Mmh. Voilà, Jean Momou. Pareil, vous trouvez euh, sur Internet. Jean Momou, il écrit beaucoup d'articles. Et au départ, je ne comprenais pas trop parce qu'il me disait Oui, mais tu sais, euh, les marrons dont tu parles, il euh, y en a qu'on trahit. Je, oui, je l'ai tu... déjà invité. Hein, euh, je ah, Jean Momou oh, Oui, il est déjà venu ici. D'accord. Déjà... D'ailleurs, s'il ouais, bah. nous écoute comme dirait Patrick euh, Drucker. Ah, ben je lui ai envoyé voilà. le lien, en tout cas, hier soir. Je lui ai envoyé le lien. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il il m'a dit est déjà, super. Euh, il est déjà venu ici. Ah euh, super. Ouais, ouais. super. Donc voilà, ben si ouais, si tu nous écoutes, Jean, ben, je te salue. <laughs> voilà. Donc après, alors c'est pareil, comme je disais, toujours les les euh, le fait de tout, de tout rebaptiser. Par exemple, voilà, euh, ça leur passe. Ça leur passe par la tête. Les, 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 pays, les pays ont déjà des noms, mais ils vont appeler ça la Nouvelle Grenade, parce que Grenada, c'est aussi un nom de, 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 de l'Espagne. Voilà. Donc ça va être la Grande Grenada à un moment, la Colombie, le Venezuela, l'Équateur, le Panama. Là, on passe en Amérique du Sud, et je n'aime pas dire Amérique latine. Voilà, je dis Amérique latine, mais elle n'est pas latine, donc euh, l'Amérique du Sud. Et là, on va voir que dans la, en Colombie, au Venezuela, Équateur, Panama, il y a également des, des communautés marronnes. Donc sur les slides suivantes, je détaille, euh, je détaille les noms, etc. OK, on va poursuivre. Ah oui Oula. Ouais. Donc ça, j'espère que je ne <laughs> vais pas me faire euh, engueuler parce que je l'ai pris euh, à la Fondation culturelle colombia Negra. Mais c'était sur Internet, hein. j'étais sur Google Images. Mais ça, c'est les camps marrons en Colombie. D'accord. Tu vois C'est les camps marrons en Colombie. Et donc, c'est un, un, un film documentaire sur la communauté marronne. Voilà. Une centaine d'années de. Une, une, voilà, une, plus d'une centaine d'années euh, de résistance. Mmh. Les gars, ils tiennent 100 ans, tu vois. Donc, comment ne pas en parler Comment ne pas. Moi, je ne peux pas. Hein. Je... D'ailleurs, heureusement que là, je parle beaucoup parce que. Là, je me sens vraiment bien. Mais toi, je vois que c'est quand même un truc qui te passionne. Ah, quoi. mais c'est ma passion. Hein hein. Quand tu vois tous ces brûleurs de plantations là, tous ces rebelles là, oh du, la 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 la, tu, ça je... te fait plaisir. Hein bah, c'est pas que ça me fait plaisir, <laughs> c'est que je me dis, c'est que je me dis quand même, c'est la justice. C'est la justice. Tu vois, c'est. Mais euh... ben non. <laughs> ça se voit dans tes yeux. Ça dit quand tu vois là, tu vois ouais, ça, tu, tu, ça te fait, ça te fait plaisir. <laughs> Je vois ah ouais. ça. Bah ouais c'est une fierté, quoi. Ah oui. Ouais, c'est bien. C'est très bien qu'on puisse voir les choses de cette façon, en vérité. Tu vois, parce qu'en vérité, comme tu l'as dit pendant plusieurs années, on a eu une éducation pour détester le travail qu'ont fait ces personnes-là. Mm -hmm. À un point où tu l'as dit, hein, quand tu as des dreadlocks, quand tu es comme si, on te traite de, de marron. Et c'est bien aujourd'hui qu'on puisse rétablir leur place dans l'histoire et dans la mémoire collective des, des, des Noirs, mais surtout des Africains, parce que ce sont, ce sont nous. Je, je ne comprends pas pourquoi les Africains sont déconnectés de ce que leurs ancêtres ont fait ailleurs du continent, et qu'on a l'impression que ce sont d'autres personnes, alors que c'est nous-mêmes en fait. Exactement. C'est nous-mêmes. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'en Amérique du Sud, les Surinamiens... Euh, les Guyanais, encore Guyanais, je ne sais pas, les Surinamiens, Dutch Guyana, eux, ils s'appellent pas, euh, ils disent les Africains du Sud. Mm -hmm. Ils disent les Africains d'Amérique du Sud. Mm -hmm. Parce qu'ils sont face aux créoles, mm -hmm. les créoles aussi, par exemple, qui ont le pouvoir au Suriname. Le problème, ils sont noirs aujourd'hui. Tout le monde est noir aujourd'hui, en mm -hmm. fait. Mm -hmm. Mais il y a eu une alliance entre les blancs hollandais et avec la population, avec le temps qui a passé. Ils se sont mixés, etc., avec les gens, ils sont devenus noirs. Mais c'est quand même des descendants de, de béquets, quoi, on va dire, comme, comme on dit chez nous, mmh. des descendants d'esclavagistes. Mmh. Et puis, il y a eu ceux qui sont sortis des forêts qui n'allaient pas à l'école. Mmh. Fidelia, elle me disait, elle ne pouvait pas aller à l'école. Elle a insisté pour aller à l'école. Après, elle a fait une, des études en sociologie pour expliquer le phénomène sociologique marron au Suriname, pour monter jusqu'à faire des études politiques, pour monter jusqu'à faire. Euh, Aujourd'hui, ambassadrice du Suriname. Mais elle me disait Mon père ne voulait pas que j'aille à l'école, puisque c'est par le livre qu'ils ont, qu ont couillonné tout le monde aussi. C'est en disant vous, vous, vous ne savez rien, vous ne savez rien, et vous perdez vos traditions alors que les traditions sont dans la forêt. Mmh, mmh. Alors, c'est tout un, un processus. Donc, euh, donc voilà, c'était. Mais moi, voilà, je, je suis assez fier de. Mais pour revenir au cas du Suriname, pardon, j'ai un petit peu digressé. Mmh. C'est que tout le monde est noir dans ce pays, mais il y a les descendants des béqués, de ceux qui des esclavagistes hollandais. Mmh. Et il y a les descendants des Marrons. 20% de la population était était Marron. Et aujourd'hui, il faut faire attention quand même. Euh... C'est-à-dire que les Marrons aujourd'hui, ils ont un problème avec les autorités de leur pays. Quand on en vient à parler des conséquences d'être un marron, ils ont un problème avec les autorités. Parce que les Jamaïcains, par exemple, ne sont pas d'accord, les marrons jamaïcains, ne sont pas d'accord que la terre soit vendue aux Chinois mmh. parce qu'on retire le bauxite. Donc c'est un minerai qui permet de faire de l'aluminium. Mais en attendant, toutes ces populations rurales marrones qui ont l'habitude de travailler depuis leurs parents, euh, la terre, etc., de, de se nourrir même de... Sans, sans même dire qu'ils vont vendre, mmh. mais de se nourrir... Euh, de leur agriculture, la terre est tellement ap appauvrie qu'elle est, est improductive. Wow. Et elle, ça donne des problèmes de santé publique. C'est le cas aussi au Suriname, au Brésil, en Guyane, parce que eux, c'est l'or. Hmm. C'est le cas aussi euh, à Trinidad. C'est le cas. Aussi... Il y a plein d'endroits où la matière première que défendent donc les peuples autochtones est spoliée. Et on le sait il n'y a pas longtemps en Guyane il y, y, y a des personnes qui je voyais des vidéos passées où les policiers étaient en joue contre des personnes qui voulaient pas qu'on coupe leurs arbres wow. j'ai vu euh, j'ai vu ce type wow. de vidéo ouais, j'ai vu ça voilà. et ça c'est les autochtones qui ont un côté euh, naturel mmh. que c'est eux qui appartiennent à la terre c'est pas la terre qui nous appartient mmh. Et voilà, il y a un problème comme ça aujourd'hui qui se fait. Hein. Voilà. Donc on continue. Donc là, on arrive en Colombie. Donc lui aussi qui est assez connu. Benkos. Euh, alors des fois, on trouve Boyo. Des, trois on, des fois, on trouve Bioho. Hein, son mmh. nom. Qui lui, euh, a aussi marronné. Et donc, il obtient des terres. Alors j'ai mis légalement. Mais en fait, ils n'ont pas des titres de propriété. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, eux, là, ils nous, nous fatiguent tellement, là. Mmh. Ils vont tellement nous cramer les plantations, qu'on va les laisser tranquilles. Donc voilà, il, il y en a qui arrivent à obtenir et à... On dit, eux, bon, on fait comme si on ne les a pas vus. Euh, voilà, donc lui aussi, il est intéressant à, à connaître. Chef marrant de, de, de Colombie. Et c'est un, un Africain, donc pareil, kidnappé, déporté, euh, qui subit euh, trois mois de bateau et, et qui, qui est traumatisé, mais quand il arrive, il refuse d'être... Euh, mmh. D'appartenir à personne, quoi. Il veut être libre. Oui, il veut être libre. Et oui, la, la liberté est un droit inaliénable. Alors, il y a donc aussi euh, voilà Miguel ou sans Miguel ou Miguel le Noir, ça dépend, euh, qui sera marron euh, au, au Venezuela. Voilà, donc je mets il, il a un camp de marron pendant trois ans. Heureusement, quand même, que je mets des petits détails parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc je ne peux pas tout retenir. Euh, voilà, il, il a un camp de marrons pendant trois ans. Euh, il s'auto-proclame roi et sa femme reine et son fils prince. Euh, voilà. Et c'est pareil, tu vois, avec le temps, il influence la littérature vénézuélienne. Mmh. Tellement les gars, on peut pas les oublier dans l'histoire. Mmh. On ne pourra jamais les oublier. Mmh. Et ça, c'est qui Alors, elle, c'est Apacuana qui est une autochtone du Venezuela. D'accord. Et elle aussi, euh, voilà, en, 1700, en 1577, elle mène une insurrection, elle sera exécutée. D'accord. Et aujourd'hui, on lui a fait, alors c'est un architecte euh, qui lui a fait une, une statue, ils ont, ils ont représenté euh, donc ça, avec cette statue pour lui rendre hommage, il, voilà, remplacer le lion de Caracas. Par Apacuana, donc qui était une autochtone euh, de, du Venezuela. donc euh, Pas déportée, mais dont on se polit les terres, parce que mmh. tous ces mmh. coins-là, c'est l'or. C'est ça. Voilà. ça. Et les Espagnols et les Portugais ont besoin d'or pour la couronne d'Espagne, pour la couronne du Portugal. Mmh. Donc là, encore deux autres marrons. Alors en haut, je vois pas le nom, mais en plus, euh, euh, je vois pas le nom. Euh, donc je oh, pourrais où, où pas m'en rappeler euh, en fait sur l'image euh, du haut moi j'ai pas tout l'écran ah ok voilà donc euh, en fait le premier voilà Anton lui il est le, le chef on va dire de Alonso mmh. voilà là c'est euh, un bateau euh, qui chavire non loin des côtes de l'Équateur eux ils vont s'enfuir Anton sera d'abord chef ils sont pas nombreux euh, eux, par contre, j'ai trouvé qu'ils. Enfin, c'est ce que dit euh, l'histoire, hein, qu'ils ont dû être très agressifs avec les populations autochtones pour pouvoir leur piquer leur village. <laughs> c'est un peu dur, mais bon, voilà, c'est l'instinct de survie. Hein. Euh, voilà, l'histoire, elle est comme ça aussi. Et donc, euh, euh, quand lui meurt, Anton, c'est euh, Alonso qui prend le relais et qui devient beaucoup plus. Euh, euh, je crois qu'ils ont quand même quelques années de différence. Et il devient beaucoup plus diplomate avec les locaux. Voilà. Lui, euh, poursuivre l'histoire. Euh... Tout ça, c'est les histoires que vous retrouverez. Hein. Euh, donc euh, là, j'ai fait que des résumés, euh, des raccourcis. Mais euh, il devient. Il, voilà, il va se marier avec euh, une fille euh, autochtone. Il va vraiment adoucir les rapports euh, avec les gens euh, sur le terrain, quoi. avec les gens de l'Équateur, ouais. Alors en Bolivie, voilà Bartolina, on la trouve aussi euh, sur Internet. Donc son année de naissance vous l'avez. Euh, donc elle épouse Juliane Apaza, mais eux aussi ils ont des origines autochtones, donc Inca. Et lui, il prend le nom de Tupac Katari. Et je voulais mettre ce coup parce que je me disais ça m'a fait penser un peu à la mère de, de Tupac mmh. qu'il a appelée. Euh, euh, Toupac cours par rapport à euh, des résistances, je pense en, en Amérique du Sud, mmh. voilà. Donc euh, pour dire que quand même il faut, on a ce devoir. Enfin moi, moi, je sais pas, à mon âge, je me dis mais non, j'ai ce devoir de transmettre, mais c'est pas de dire ah ils ont tué pour tuer, ils ont tué parce que ou ils ont résisté parce que l'autre en face, ce n'était pas dans un but civilisationnel. Ce n'était vraiment que pour euh, au sortir, disons, du Moyen-Âge. Donc avant 1400, les pays d'Europe étaient tous en guerre les uns contre les autres. En 1100, 1200, euh, l'Europe, les Danois, la France, euh, ils se faisaient tous la guerre, ils avaient tous des dettes. Et ils n'ont pas trouvé mieux que d'aller euh, piquer chez l'autre. Euh, ils se sont servis, en fait. Et donc, ça, euh, c'est très lucratif, en fait. Donc, ça, euh, non. C'est pour ça que je défends beaucoup l'esprit le, marron, quoi. On va passer à l'autre slide. Oui, oui, oui. Donc ensuite, voilà le Brésil, lui, colonisé par les Portugais en 1500. Euh, il se compose voilà, de plusieurs nations. Et on voit, alors je tenais à mettre cette photo, parce que la, la nation principale, enfin, qui est centrale, c'est les Tupi Guarani. Et souvent, dans les, le nom du peuple, c'est parce qu'ils sont... Là, par exemple, eux, ils consomment une plante qui s'appelle Guarana. Ah. Voilà. Au Bahamas, les premiers peuples, ils, ils vont s'appeler Guarani. Et ils consomment aussi une plante qui s'appelle presque le même nom. Mais c'est comme une céréale du, de leur quotidien. Ah. Et en fait, ils prennent. C'est là qu'on voit. Ben bah oui, c'est vraiment eux, les premiers peuples. Parce qu'ils portent un nom. Et on retrouve dans la région euh, ce qu'ils mangent, quoi. Donc, ce qu'ils mangent, c'est ce qui leur donne la vie. Ouais. Donc, c'est comme ça aussi, par euh, ce genre de type de recherche, euh, qu'on voit qui sont les peuples autochtones. Donc, voilà. Donc, il y a, y a eux. Et donc, il va y avoir aussi deux... J'ai pris, évidemment, le couple d'Andara et Zumbi de palmarès qui sont assez connus, maintenant. On en parle... Euh... C'est vrai. Voilà. On en parle. Donc, ce Quilombo, bah, Zumbi, il naît, il naît libre. Il est kidnappé, il est envoyé donc euh, chez des jésuites euh, qui essayent de le christianiser. Hein, C'est le, leur, leur boulot, quoi. Euh, voilà, lui laver le cerveau. Euh, il va s'enfuir, il va retourner, il va devenir chef de, du Quilombo dos Palmares. Elle, elle va s'enfuir par contre d'une plantation, elle n'est pas née libre. Ils auront des enfants et quand il va être exécuté, eh bien elle, elle va se suicider euh, pour ne pas retourner euh, sur la plantation. Elle a préféré mourir que de repartir oui. euh, en tant qu'esclave. Oui. Ça, c'est quand même avoir de l'honneur. Oui, exactement. Je préfère mourir que de dépendre d'un locoderme, travailler oui. pour lui, oui. être à sa disposition. Mm -hmm. Oui, c'est ça, l'esprit baron aussi. Tu fais ce qui est juste, en fait. Mm. Parce que les gens n'aiment pas que je dise ça, mais je vais dire ça. Dis-le. C'est il y a eu beaucoup au, au, au Brésil même euh, en Martinique ou des Blancs qui ont fui l'esclavage. Des, all... qui... des blancs qui ont fui l'esclavage qu Qu'est-ce que tu me racontes là Oui, pour aller vivre avec des autochtones, parce qu'ils ne supportaient pas la brutalité, la violence qu'on leur demandait de faire sur des humains. Alors je... ce n'est pas mon travail de les mettre en avant de mais oui. Oui, oui, il y a des Portugais qui ont fui euh, le... le pouvoir esclavagiste au Brésil parce que les gens c'est-à-dire en europe au, enfin, au suriname en martinique euh, en france c'est des pauvres qu'on prend dans, dans les rues là pour dire euh, il faut enrichir les colonies il faut enrichir la couronne d'angleterre il faut enrichir la couronne de france donc les gens vont s'engager contre un petit salaire on va les mettre sur des bateaux mais comme on t'a déjà payé le bateau on t'a déjà payé l'hébergement entre guillemets tu vas rester trois ans engagé pour la couronne de france en Martinique, par exemple, et tu vas construire la colonie. Donc maintenant, tu vas décimer les populations, tu vas les terroriser, tu vas construire des habitations et tu vas travailler pour la couronne de France. Il y en a qui n'ont pas supporté. Ils s'engageaient. Ça s'appelait les engagés. Alors ce n'est pas mon thème, je ne développe pas. Mais voilà. Bon, mais tous les couples mixtes là. Euh, vous avez de quoi dormir tranquille, <laughs> voilà. Mais quelque part, moi, je ne les, je ne vais pas avoir pitié. Ils se sont engagés, euh, voilà. De toutes les façons, ils ont profité du système. Pour moi, ça reste des criminels. Oui, c'est ça. La majorité, c'est des criminels. C'est hein. des criminels. Et c'est là où sociologiquement parlant, ils ont dit, mais le, le racisme. J'ai du mal même, même à comprendre cette notion-là. Le racisme n'est pas né de l'esclavage. C'est l'esclavage qui est né du racisme. Mmh. Alors, je cherche encore le, le, le sens. Mmh. Mais euh, voilà, tout le monde n'était pas d'accord avec le, le pouvoir en place. Hein? Comme euh, on le voit, je ne sais pas si tu as vu ce film Django aux mmh. États-Unis, mmh. mmh. euh, où celui qui est dans la plantation, il veut garder, il veut rester le sous-fifre, il veut être le, le nègre de maison. Effectivement, parce qu'il y a les avantages. Voilà. Il y a les avantages. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment pas dans le jugement. Mais je, dès que je peux mettre en avant un marron, je fais. Alors eux, c'est magnifique. Elle, c'est donc euh, Louisa Mahim euh, qui refuse euh, euh, pareil, le baptême, qui refuse pas mal de choses. Euh, donc là, c'est au Brésil, hein, Bahia. Elle va euh, donc euh, racheter sa liberté, voilà. Avoir un fils avec un Portugais. Et donc, euh, elle fomente des révoltes. Donc sa maison s'appelle un terreiro. Donc on cherche, pareil, terreiro, je crois que j'ai mis le le mot, et en fait, depuis qu'elle est libre, euh, les fugitifs viennent chez elle, euh, elle fomente des révoltes, elle fait des, des insurrections, enfin, sous couvert de sa petite boutique de fruits et légumes, et donc, euh, on va la déporter euh, à vie euh, en Afrique de l'Ouest. Donc, elle avait déjà un fils qui a 7 ans, qui ne, la verra, qui ne la reverra plus jamais. Et son fils, on va le donner à son père, qui a des dettes, son père est portugais, et son père va le vendre son père va le vendre parce qu'il a des dettes et donc il sera domestique chez quelqu'un. Et puis on lui explique, on lui dit, mais ta mère a déjà racheté sa liberté, mmh. donc par la loi du ventre, tu ne peux pas être esclave. Mmh. Donc parce que ta mère, toute, toute femme esclave qui n'est qui enfin, plus esclave, justement, qui accouche, mmh. euh, qui enfante, l'enfant est libre. Alors bon, euh, quelqu'un lui, lui montre des textes de droit, etc. Il devient avocat et lui, il incite. Les, les captifs à faire des révoltes il les incite en tant qu'avocat en tant que voilà activiste il dit c'est pas normal qu'un homme possède un homme donc lui c'est vraiment il incite euh, voilà donc pareil il est très intéressant il est poète il est avocat il est activiste il a monté un fonds de, de au Brésil ils avaient un système où euh... alors je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs mais j en, j en... je vois beaucoup ça quand quelqu'un rachète sa liberté, il y a toute une espèce de, 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 de fonds autour de lui financier pour lui payer un job. Enfin, pas pour lui payer. Pour le former à un, un travail. C'était vraiment institutionnalisé, ça, dans le, dans le système anti-esclavagiste. Mmh. Oui, oui. Donc, ça aussi, c'est intéressant, euh, ce processus. Alors, il y en a un autre qui est juste avant, qui est justement un autochtone du Brésil. Donc, lui, eux, ce qu'on a dit avant, les Guaranis. Et à un moment de l'histoire, parce que les Portugais sont arrivés en 1500 euh, au Portugal, et voilà, 250 ans plus tard, ils décident que les Guaranis qui sont sur leur territoire euh, natal n'ont plus, plus le droit d'occuper le Brésil. Parce qu'ils ont encore besoin d'étendre leur empire. Ils sont toujours en train d'étendre leur empire espagnol, portugais. Voilà, l'Europe, c'était comme ça euh, pour l'esclavage. Et donc, eux refusent. Il y a un chef qui s'appelle CP. Euh, Tchadjarou, vous allez le trouver aussi sur, euh, sur Internet. Il refuse de quitter sa terre natale, même pas natale, sa terre ancestrale, puisque je mets qu'eux, ils ont 3000 ans de vie sur ce territoire, et que les Portugais lui disent non, vous êtes expulsés du Brésil. On leur demande d'aller en Uruguay, d'aller au Paraguay. Ils refusent. Ils font une guerre, malheureusement, bon, c'est le, le pot de fer contre le pot de terre, et euh, ils vont l'exécuter. Donc ensuite, il va y avoir une autre, euh, une autre révolte, voilà, avec 1500 autochtones. Euh, mais bon, euh, ah, j'ai fait une faute. Ils seront massacrés par les Portugais. Ouais, ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, il y a une communauté, voilà, qui est à Bahia, euh, afro-bésilienne. Je pense que bon, tout le monde sait euh, qu'ils sont assez euh, activistes aussi dans leur euh, dans leur mentalité, quoi. Et puis là, eh bien c'est euh, Amador oui. qui est de Sao Tomé alors, je ne savais pas si j'allais le mettre au début ou à la fin, parce que lui, c'est en Afrique, et je me disais, ah le thème, c'est le marronnage dans les Amériques. Mais, mais en fait, voilà, Sao Tome, euh, c'est une petite île qu'on voit euh, sur la carte, euh, qui a dans le bassin de, de Guinée, enfin, pas loin du Cap Vert. Et donc, il, il n'y a que les Angolares qui vivent là-bas, un peuple autochtone africain. Et les Portugais, eux, vont faire une alliance avec le royaume Congo, ils vont permettre, le roi, un des rois Congo va permettre à ce que les Portugais mettent euh, fassent un port à Luanda. Ce port existe encore. Et euh, eux, ils parlent de, euh, des épices et tout qu'ils veulent ramener euh, au Brésil. Mais en réalité, dans les épices, il y a des hommes. Mmh. Et là, euh, ça se passe très mal, puisque euh, le roi du, du Congo, quand il sait ça, il va écrire euh, au roi du Portugal. Pour autant, ils auront le temps de déporter et déporter pas mal d'hommes. Et Amador, lui qui vient du Congo et qui est, euh, a déjà été déporté euh, à Sotomé, ou oui, euh, va faire une insurrection. Mais pareil, il va être exécuté. Euh, donc c'était un marron euh, de l'Afrique. Mmh. Voilà, et on le trouve aussi, on trouve sa vie euh, sur Internet. Voilà, voilà ouais. c'est la fin de. De tout ce que j'ai pu euh, rassembler pour cette émission. Eh bien, ma soeur, Et je te remercie. Hein. C'est pas rien, parce que, quand même, ici, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, oui. euh, beaucoup de temps de recherche, je suppose. Ah oui. Et euh, de vouloir le partager avec nous gratuitement, euh, c'est une bonne chose. Mais j'ai juste envie de comprendre pourquoi, toi, tu, 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 tu fais ce travail de recherche, pourquoi tu veux vulgariser. C'est de me faire comprendre toutes les motivations derrière bah, Comme je te disais, quand j'allais dans des comémos il y a quelques années, donc il y a plus de huit ans, j'entendais beaucoup de victimisation. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits. Donc moi, par exemple, je suis de la Martinique. Il y a beaucoup d'auteurs euh, antillais qui ne font que des romans. Que du roman. C'est-à-dire des informations... Euh, pour moi, c'est quelque chose... Euh, je suis étonnée que je trouve toutes ces données, par exemple, vérifiable, j'appelle des gens, on me dit bah attends, euh, je t'envoie ce fichier, attends. Euh. Et que martini Guadeloupe on n'en parle jamais. Ils ne s'intéressent pas à ça. Même euh, plus largement, je veux dire. Hein. Même dans, dans la communauté, euh, je ne trouve pas tellement de personnes intéressées par les marrons. Mais où pour moi, par exemple, j'ai fait des jeux. J'ai vu que tu étais au magasin Diaspora il n'y a pas longtemps. Donc j'ai piqué la règle du jeu de, de Célio. Et euh, j'ai fait un premier jeu, on a fait un deuxième jeu, et là, j'ai voilà, voilà, fait le, le calendrier des marrons, donc j'ai essayé de faire correspondre. J'essaie aussi euh, à ce que ça devienne un peu... Euh, pour que je puisse en vivre. Et puis, le, je pense que les mentalités commencent à changer. Parce qu'avant, il fallait pas trop parler des marrons, il y avait une espèce de pudeur. <coughs> je ne sais pas, à dire... Enfin, moi, j'avais pas de pudeur à dire... Mais ils ont exécuté 1000 blancs en 15 jours, mais c'est que c'est que normal parce que tout ce qu'ils ont ce, fait en ce, 400 ans ce que ans, tu veux me faire comprendre c'est que euh, toi tu es de la génération où ça veut dire où euh, les marrons ont fait quelque chose de mal en tuant les blancs euh, en les massacrant c'était il fallait pas le faire il y avait c'est ça que tu essaies de me dire bah en fait c'était dans le on va dire peut-être dans l'inconscient collectif moi déjà on m'a pas du tout non. élevé dans cette euh, dans cette quête de combattant de la liberté, on ne m'a pas du tout élevé dans cette quête-là. C'était catholique, baptisé. Bon, après, tes parents, tu grandis avec tes parents, donc tu les écoutes, tes parents. Et tu crois que tes parents, ils te disent la vérité. Bon, après, je me suis plus tournée vers Rastafari. Mes parents, ils ont compris, parce que Rastafari parlait de l'Afrique. Et mon père, il parlait quand même toujours de l'Afrique, même si l'on t'y est. disait, on est Africains. Africain, mais on va pas en Afrique. Enfin, voilà. Et après, ce qui m'a gêné, moi, dans le, la commémoration en tant que telle, parce qu'elle est quand même assez suivie, nous, au mois de mai, c'est qu'on ne parle jamais des marrons. On ne parle pas des résistants. On ne parle pas des résistants. Et je me disais, mais ne, on sait très bien que on t'a mis en esclavage en 1492, même si c'est pas en 1492 exactement en Martinique, mais en 1848, ils ne se sont pas réveillés un matin en se disant... Finalement, ce sont des hommes. Non, c'est que les gens... luttes. Des Mais luttes. bien sûr, c'est que les luttes qui font que les choses changent, en fait. Et c'est ça, le... Après, il y en a qui me disent, oui, tu devrais faire ton devoir de, de citoyenne, donc il faut porter plainte. Ils ont raison, hein. Euh, il faut porter plainte, il faut rester en justice. Mais leur justice à eux. Il faut... Non, non, il faut... Il faut... Moi, je ne parle jamais des réparations, par exemple. Mais si vous discutez avec les Afro-Américains... Eux, ils parlent tout le temps des réparations. Les, les Trinidadiens, ils veulent l'argent. On a travaillé tant d'années là. Gratuitement. Ah, la ben bonne faut... Et okay. c'est vrai que on, moi, j'ai ce côté en me disant c'est vrai que s'ils commencent à réparer, l'Europe, elle est ruinée. Il faut qu'ils réparent. Ah, ben oui. C'est la justice, non Voilà. Mais moi, c'est vrai que je n'ai pas ce, lang ce langage-là. Parce que peut-être que je n'ai pas les mots jurid juridiques. Mais quand j'ai toutes ces données. Déjà, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Et en général, quand j'en parle, ben, les gens, ils sont passionnés. Ils me disent, euh... il y a des soeurs, moi ce soir, je disais, je ne sais pas, je vais pas bafouiller, oh, je ne vais pas perdre mes mots. Oh, je suis arrivée en retard. <laughs> des transports, merde. Alors là, et en fait, c'est voilà, fluide, en fait, ça. Moi, je pense que quand tu parles de la vérité, ce n'est pas que les gens ne peuvent que t'écouter, ce n'est pas ce que je dis, parce que moi, on n'est pas obligé de m'écouter, moi. Mais toutes les données que je donne sont vérifiables et ce n'est pas un mythe. Euh, et, et plus les gens cherchent, plus on trouve. Moi, je me suis calmée avec les slides en disant non, là, on va, on va peut-être en enlever un peu, parce que ça fait déjà beaucoup de données, peut-être pour des personnes qui ne sont pas habituées que le sujet. Mais il euh, y, y en a tellement. Il y en a une par jour de 1492 à à 1888, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que Haïti quand même prend son indépendance, prend sa libération en 1804, il se proclament Première République Noire, ils vont enflammer les Caraïbes, parce que nous, c'est quand même en 1848, 44 ans après, et le Brésil, c'est 40 ans après nous, c'est 80 ans après Haïti. Mmh. Et on parle d'Haïti toujours. Tout à l'heure, je t'ai posé la question. Euh... Oui. Euh, Est-ce que les gouvernements africains s'intéressent à toutes ces diasporas, à toutes, euh, tous ces Africains qui sont partis ailleurs et qui ont milité, dont les noms sont oubliés Est-ce que euh, ils, les gouvernements s'intéressent pour, je ne sais pas, créer des... des euh, euh, alors, soit les aider euh, à avoir des terres ou les aider à... Je ne sais pas, tu vois, culturellement, qu'il y ait des échanges, des choses comme ça. Voilà. Tu m'as répondu que oui, ça se fait. Oui, il y a Mais des non. services culturels. Euh, ouais. Il y a toujours un ministère de la culture. Mmh. Qui se fait et par exemple je pense que c'est le rôle des ambassadeurs. C'est ça que Fidelia est l ambassadrice du Suriname au Ghana. Mmh. Elle est là-bas et euh, je sais pas si on a le temps de regarder la vidéo sinon c'est ouais, pas ouais, grave. Bon, on, va, on va voir. Euh, parce que, que j'avais j'avais une deuxième question par rapport à ça. Oui. Bon là tu m'as déjà répondu mais ce que je veux savoir toi comment tu vois les rapports entre antillais et africains aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours aussi tendu Parce que moi, quand, ah je suis, quand je suis arrivé en France, on m'a fait comprendre qu'il y avait des problèmes. Je ne sais pas c'était lesquels, mais apparemment, ces deux communautés, ce n'était pas du tout du bon. Mais aujourd'hui, est-ce que tout, est des choses s'améliorent vraiment Est-ce que est, le, 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 la réconcilia réconciliation, elle, elle, se, elle se fait euh, Parle-moi un peu de ça. Oui, à ton, oui. À ton, à ton, à ton, à ton échelle. Hein oui, oui, moi, à mon échelle, mmh. euh, je n'ai pas du tout de problème euh, de parler maintenant de ça avec des Africains. Alors qu'avant, je pense que la barrière, c'était vraiment, ah oh ben nous on lit la Bible et eux ils sont musulmans, pour la plupart, mmh. vraiment le cliché quoi. Mmh. Maintenant, je pense qu'on est assez culturellement cultivé. Mmh. C'est pour ça que on dit la connaissance est une arme. Dis-le. Et que oui, la connaissance est une arme. Mmh. Et Marcus Garvey, beaucoup font le travail. Anta Diop. Moi, je lis beaucoup d'Afro-Américains. Mais Chérenta Diop, j'ai suivi quatre ans de cours avec Obenga et Gomez. Donc, on, on nous a tous mis bien. Mmh. Parce que dans cette communauté où on était, il y avait autant d'Antillais que d'Africains. Mmh. Mais par contre, le point commun, justement, à nous de dire qu'on est des autochtones, mmh. c'est qu'on avait, euh, avait ce background commun. On, avait nos, on comprenait tout de suite le système de divinité. Enfin, chez nous, je veux dire, euh, aux Antilles, euh, les mêmes valeurs que l'Afrique. Donc, il y a beaucoup, moi, je trouve qu'il y a beaucoup moins de tension aujourd'hui parce qu'on a fait ce travail euh, spirituel, je ne sais pas, mais en tout cas culturel et euh, euh, de savoir qu'on n'avait pas. Mmh. On n'avait pas autant de livres qu'on avait. Enfin, Dis-le. Dis ah oui, oui, on n'avait pas autant de livres euh, euh, qu'il y a même 20 ans ou 30 ans. Maintenant, dans, dans on la, trouve... C'est la méconnaissance qui nous a, qui nous a séparés. C'est le fait je se... nous les préjugés. C'est ça qui nous a, qui a créé oui. cette, cette barrière. Oui. Hein Et puis diviser pour mieux régner. Mmh. C'est-à-dire que même moi, quand je dis euh, à certaines personnes, euh, je suis africaine, on me dit, mais t'es pas de carte, t'es française. Mmh. Je suis mais bien sûr que si. Mais ne serait-ce que la couleur de ma peau, comment, nier mmh. comment euh, est? Comment. C'est pas possible. Maintenant que je ne connaisse pas cette culture, mmh. parce que je suis. Une... Mes parents sont de la Caraïbe. Mmh. Hein J'ai des grands-mères, ils ont des, des, des cheveux jusqu'aux fesses. Euh, parce qu'ils sont des locaux, des autochtones. Il ne faut pas lier, nous, les Caribéens, euh, africains, on a de l'africain, on a des, des populations autochtones, dont je dis natifs, de, des Amériques, et puis on a aussi de l'Européen. C'est l'histoire. Maintenant, on peut choisir aussi d'avoir une spiritualité ou un esprit africain, c'est-à-dire équilibré. Quand je dis équilibré, c'est là où j'essaie je, de me faire comprendre. Oui. Tu as dit que euh, pour toi, ce qui te concerne, c'est qu'il y a de l'européen, il y a de l'autochtone, il, il y a de l'africain. non pourquoi ne pas aller euh, au, au plus efficace, enfin, enfin le plus efficace, celui qui rapporte le plus au locoderme directement et se dire, bon, je, suis, euh, je, je revendique mes, mes, mes racines locodermes et tout cela et je mets ça en avant. Pourquoi l'Afrique la, dans tout ce mélange-là c'est l'Afrique qui ressort. Moi, quand je te vois comment tu es habillé, je vois l'Afrique. Quand je te vois grecque, là, là, moi, je vois je vois une sœur qui se revendique en tant qu'Afrique. Pourquoi Pourquoi ça Parce que c'est ce qui me parle le plus. Ah ouais Je vais être très simple, c'est ce qui me parle le plus. Et l'Afrique, c'est pas sexy, les gens la dalle, tout cela. N'empêche que tu veux quand même faire. Tu, bah, je pense tu veux pas. te ne Ça, c'est peut-être une image euh, qu'on veut nous donner. Hein. Mm. Ça, c'est peut-être un préjugé, mm. tu vois, qu'on veut nous dire. Euh... Tu vois, des fois, tu entends les gens, ils disent euh, Ah oui, pour te dégoûter, tu mets un enfant avec des, des, des mouches dans ah, des les mouches. yeux. Enfin, tu vois <laughs> ce que je veux dire euh, Quand même, il faut, il faut arrêter. Hein. Euh, euh, non, il y a des coins dans le monde. Euh... Euh, non, moi, je pense pas que ce soit. Euh... Moi, je suis pour la justice. Je suis Rastafari aussi. Ah ouais c'est le, le, ça que j'ai choisi. <laughs> et c'est la justice. Je suis pas pour... Euh, je suis pour l'égalité des chances. Mmh. Je suis pour euh, la chronologie aussi de l'histoire. Le berceau de l'humanité, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Asie. Donc, c'est aussi ce que j'ai décidé d'apprendre. Et puis, c'est aussi ce que euh, les preuves scientifiques me montrent. Je suis allé en Afrique. Et voilà. Donc euh, c'est des... Moi je ne pense pas, il y a tellement d'Africains, si tu savais, dans la Caraïbe. Mmh. Ah oui. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de pareils de Guadeloupéens, Martiniquais, qui vont euh, au Bénin. Euh, tous les deux ans, euh, la Guadeloupe fait le mois de l'Afrique. Mmh. Tous les deux ans pendant un mois. Le mois de l'Afrique. Oui, en, en Guadeloupe. Mmh. Oui, oui. Donc euh, autant aussi des Guadeloupéens. Euh, euh, la famille Dja qui sont partis s'installer au Bénin. Euh, donc je crois que les choses se sont ouvertes. Euh, notre... C'est surtout nos cerveaux, quoi. Mmh. C'est surtout nos cerveaux, en fait. puisque on nous a quand même bridés, on a voulu bah, diviser pour mieux régner. Hein. Euh, c'est ça, exactement. Tu vois, c'est ça. Et, donc, euh... Et puis il faut voir l'humain derrière chacun aussi. Il faut voir l'humain derrière chacun. Parce que tu vois, ces donc, préjugés euh... dont tu parles, bah, pour nous autres, là les Africains, c'est pareil. Hein. Euh, ouais, les entiers bon, ils, ils sont comme si, comme ça. C est, c est, moi, si j'ai entendu ça, quoi, j'ai entendu ça. Pas quand j'étais en Afrique, euh, mais en France, quand je suis arrivé, euh, voilà, j'ai trouv trouvé que c'est bizarre, il y a des tensions. Et plus le temps passe, surtout avec des sortes de kémitisme ben, je, 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 je ne, ça a disparu Alors, je ne sais pas. Ouais, moi, je crois que c'est ça. Hein, peut-être que c'est, ouais. peut-être que c'est peut moi qui est entouré de, mais je n'ai plus, je ne vois plus ça. Je vois à chaque fois que je vois un frère antillais ou un frère ou une sœur antillaise, euh, je vois un frère africain, je vois une sœur africaine. Je n'ai plus, il n'y a plus ça. Ouais, je crois ça que c'est la conscientisation. C'est la conscientisation est qui a joué. Ce là. travail de conscientisation qu'on fait, de laisser nos préjugés aussi de côté, ce qu'on mmh. voilà, et puis de, de se consacrer à l'essentiel. Comme je te dis, si tu vis dans la vérité, tu vas rencontrer des gens de vérité, tu vas rencontrer des gens de lumière. C'est ça. Tu vas rencontrer des gens aussi, peut-être que tu ne vas pas comprendre. Mmh. Mais tu es assez intelligent pour savoir que tu ne peux pas comprendre tout le monde. Et pour autant, tu n'as pas à être fâché avec personne. Mmh. Moi, je suis fâché avec personne dans, dans tout ça. Euh... Excellent. Eh bien, tu sais quoi Moi, oui. ça, ça va être l'heure du vote. Les amis, qu'est-ce ah. que vous en avez ah ben, ah, Il oui. y a le vote <laughs> Il y a le vote, je suis désolé. Ah c'est bon la coutume chez Bobali. Ah, je, juste, je veux m'assurer, si c'est du bon, c'est le baobab. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de notre sœur est-ce qu'elle a fait le travail ou bien tout le monde s'est endormi et que là, là, vous voulez qu'on arrête tout de suite, Attention. les amis. Vous savez ce qu'il y a à faire. Cinq. Oui, la sœur a fait le job. On a beaucoup appris, vraiment. C'était du bon. Et vous mettez deux pour dire non, 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 mon badi. Franchement, heureusement que tu es là parce que c'était pas du tout du bon. <laughs> bon. Et on ne veut plus jamais la revoir. Je ne veux plus aïe jamais aïe. la revoir. Donc, les amis, vous votez. C'est votre chaîne. C'est vous qui décidez. Moi, je vote quand même parce que, ben, comme ça j'ai juste envie donc c'est parti les amis je mets la musique du stress on est parti pour le vote Et moi je vois beaucoup de 5 déjà <laughs> allez les amis qu'est-ce qu'on fait est-ce que vous avez aimé oui, oui 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 le vote le vote le vote le vote les gens réagissent c'est la coutume ici tout le monde y passe mon bali vote comme un président africain, comme ça ne sert à rien mon vote. mais Donc après, j'ai la couronne ou quoi <laughs> bien, ma soeur, après ça, tu le passe millénium. Donc... Ah bon <laughs> Oui Après, tu as le passe millénium. <laughs> ah bon Oui, tout le monde a validé, tout le monde est ah, d'accord. Oui, 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 Donc ma soeur, vraiment, tu nous as convaincus. Ton Merci. travail est passé crème. Les gens ont pris les notes, les gens ont beaucoup appris, les gens ont beaucoup apprécié. Euh... Génial. Non, 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 c'est très, très bien. Je suis content. Je suis tout à fait content les amis Allez-y, allez-y, allez-y Jusqu'à la fin de la musique du stress Votez, votez Tout le monde doit voter les amis Pour l'instant c'est unanime Ah hein. c'est unanime hein. plaisir Ah hein. ma soeur ah, là. Ma mère. Moi si je... voilà, ça me dépose C'est ton peuple, c'est toi et ton peuple <laughs> <laughs> C'est pas moi Je suis pour rien C'est bon, c'est voilà. bon Voilà tout le monde a plaisir, validé C'est Oui, oh, oui, oui Tout le monde a validé ah, Même Amos Amos qui bloque tout le monde Il a validé Il ah. a mis 5 Ah oui Amos il a mis 5 C'est que je peux arrêter l'émission mmh. Amos il est là ah, en bas ouais. là. Si il a validé, c'est que ah je bon? peux. Oui si, Lui, il bloque tout le monde ici, là. Il n'aime personne. Et il a mis 5. D'accord D'ailleurs, il n'a pas mis 5, 5, 5. Il a mis juste un 5. C'est pour te dire l'effort. Quel <laughs> effort Que ça représente pour lui. Donc, oui, ma soeur, en tout cas, Matondo, comme on dit chez moi, qui veut juste te dire merci, merci euh, pour tout cela, pour tout ce partage. Et ce qui est bien, c'est que le public a compris. Euh, le public a apprécié, donc euh, c'est pas un effort que tu as fait pour rien parce qu'en fait euh, ils ont compris le message est oui, passé. Oui, c'est ça, voilà. c'est tellement important. Et je te dis, donner l'origine, dès que je peux donner l'origine africaine mmh. du marron pour qu'on prenne bien conscience que c'est ça, quoi, du marron ou de l'autochtone, enfin l'origine autochtone, euh... c'est très important, je trouve, pour, pour nous, pour, euh... et puis pour. Euh... Euh, self esteem tu vois, les, les, pour notre estime, mm -hmm. tu vois, pour nos enfants. Je mm -hmm. dis après tout, on fait bien des Black Panther, des films, des. Mm -hmm. bah eux, ils gagnent vraiment à être mis dans des films, enfin. Exact. Tu vois, vraiment, ouais. nos enfants, c'est des vrais héros. Pour... Et quand tu sais, on a fait avec une sister euh, une expo, alors il y avait plutôt. Euh, euh, il y avait quelques marrons à l'époque, mais il y avait aussi Martin Luther King, il y avait Malcolm X et tout. On a fait ça dans les commémos, pareil en mai, pour les, les enfants, ils aiment ça. Hein. Mais je veux dire, noir comme blanc, ils n'ont pas... Ce, ils aiment la justice, ils aiment les gens qui sont gentils, ils aiment la gentillesse, ils aiment la politesse, ils aiment, ils aiment les choses normales, en fait. Donc, euh, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Ben, tu leur parles des marrons, ils sont, ils sont contents. C'est vrai que tu te dis, ouais, ben, c'est ouais, ouais, quelque chose qu'il faut vraiment développer. Et moi je lâcherai rien quoi. Ah, oui, moi, c est, c est... Alors ma sœur, il y a des gens qui te demandent, mais où est le livre est-ce qu'on peut Est-ce qu'il y a un livre Tu as écrit un livre avec tout ça que t'as Bah non, euh, oui j'ai pas encore écrit. Là j'écris, oui, j'écris. En septembre j'aurai plus de temps. Mm -hmm. Mais c'est vrai que cette année j'ai eu beaucoup. J'étais beaucoup à droite, à gauche. Mm -hmm. euh, non, ce que j'ai, c'est un calendrier où j'essaie de faire correspondre euh, une insurrection qui s'est passée en janvier. Je l'ai mis en, en janvier une autre en voilà et puis le livre le petit livre sur les femmes fortes là justement euh, que je t'ai rapporté euh, donc c'est douze femmes euh, qui sont marron et qui ont euh, voilà ça c'est le bon moi je suis en autoproduction, je je fais pas beaucoup beaucoup de, de production mais justement je vais essayer de, de faire plus de volume parce que ça commence la, la mayonnaise commence à prendre quoi d'accord et ça donc, si, euh... si les gens ils veulent avoir ça là comment oui. ils font, comment ils font bah en fait, c'est vrai que je n'ai pas de magasin. Euh... C'est au black. <laughs> Toi, tu fais des choses en mode marron. Donc ça, comment on fait pour l'avoir Pour l'instant. <laughs> euh, <laughs> les gens aimeraient oui. bien l'avoir, ma soeur. Oui, oui, bah, oui. oui. Bah, ils peuvent me contacter, pas de soucis. Voilà. Donc, Ma soeur, comment on te contacte C'est ma, ma prochaine question. comment tu peux donner te contacte... mon téléphone Mais ma soeur, comme tu veux. Mais attention, hein. si tu donnes ton, ton téléphone, vu comment tu es belle, euh, tous les braconniers et les autres marrons de partout, ils vont t'appeler. Ah ouais, mais de toute façon. C'est un risque à prendre. Hein. Mon king, <laughs> il va pas être d'accord. Ah il, oui. bon. il, il va ouvrir la porte avec la machette. Hein. Bon, les amis. Faites attention. Désolé, elle est déjà prise. Mais pour le reste, on peut quand même l'appeler. Ma soeur, tu as un numéro mais de téléphone euh, Oui, ou alors mon mail, je ne sais pas. Oui, ma soeur, c'est comme tu veux. Soit oui, je tu préfère par mail. Je suis sûr Mar Oui. Ok. Oui. Alors, mon mail, c'est GraphicoArt, G-R-A-F, de François I, K-O, A-R-T, 777, gmail.com. Mais c'est trop long. Ah, c'est long. Ah, hein. oh, toi aussi. Ah, c'est comme, comme les barons, c'est comme ils sortent des barons. Quand <laughs> je <'arrête, rire> commence, j'arrête plus, ça ne finit plus. Ré, répète, enfin, répète, répète. GraphicoArt, G-R-A-F-I. Doucement. Attends. Les gens, ils sont, pas, ils sont longs ici. Donc, g r a <laughs> f G-R-A-F-I-K-O-A-R-T-777-gmail.com Les amis, vous avez vu, hein j'espère que vous avez eu le temps de noter. Bon, j'ai essayé de négocier le téléphone pour les bras cassés là. mais <rire> <rire> Non, parce que le téléphone, en fait, je me dis, ça va être moins pratique. Mail, tu te diras, bah, tiens, j'ai un mail, téléphone, je... non. Maman, regarde, regarde un Est-ce être... est -ce que c'est du bon ici C'est du bon là oui, ah non, il manque un 7. Il manque un 7. Il y a 3-7. Ouais. Oh là là. Graphico Art 7-7-7. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, les amis, j'ai essayé de vous aider, hein, mais ça n'a pas marché. <laughs> D'accord Vous n'allez pas dire que mon Bali, il n'a pas fait un placement de produit. J'ai essayé, mais non, elle est déjà prise. Donc, les amis, vous y allez ah avec non, le même... Non, mais c'est la blagounette. <laughs> mais. Euh, je ne suis pas venu. Euh, pour ça. Mais ici, sur cette chaîne, il y a des chasseurs. Ici, il y a des spéléologues. A je tout ne ici, suis là. pas une antilope. Enfin, je suis une marronne, tu vois. Donc, moi, je trace. Bon, maman, regarde ça. Oui. Euh, alors, il y a quoi, là Ça, c'est quoi Carte postale, tu vois ça Ici. Oui, je fais. Alors, ce là est... tout est en autoproduction. Je fais, parce que je suis graphiste aussi. Et je fais aussi de l'artisanat, si ça intéresse les gens. Je fais ouais. tout. Elle fait tout, les amis. Donc, oui. allez-y, soutenez la sœur. Comme elle est en indé. Hein, bon, alors, si vous avez des conseils pour qu'elle monte en gamme, les amis, allez-y. Puisqu'elle est en indé, donc, ça veut dire qu'elle fait tout toute seule. Oui, oui, je fais tout toute seule. Oui, elle fait tout toute seule. Donc, si vous pouvez aider pour, euh, bah, je sais pas, hein, si vous pouvez donner un coup de main, contactez-la. Parce que c'est ensemble que nous allons réussir ou c'est ensemble que nous allons périr. N'est-ce pas, maman oui, exactement. Voilà. exactement. Ai, D'ailleurs, bon, quand je dis je suis toute seule, oui, j'ai des partenaires, par exemple, au pays, des sœurs qui font des stands, qui prennent déjà euh, des produits par rapport à qui, qui font des stands par rapport à tout ce qui est 100% local, parce que nous, on essaie de travailler comme ça. Donc là, je peux dire que je travaille avec des sœurs qui font des festivals, qui font des stands, et que c'est comme ça que je diffuse mes produits euh, aussi. Mmh. Oui, oui. D'accord. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des événements où on va te voir très bientôt Je ne sais pas, une conférence à venir ou des... bah, non Pff, Je non ne sais pas, non. A rien prévu je... là, en ce moment Non. Je... C'est-à-dire que depuis octobre dernier jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrêté. Mm -hmm. Donc là, j'ai dit, je... le mois d'août, je vais me poser un petit peu. Et puis, euh, je pense que ça va être plutôt vers janvier. D'accord. Mais là, euh, non, je vais... Ouais, j'ai des projets, j'ai des choses à boucler, on va dire, pour décembre. Mmh. Il faut vraiment que je focus à la maison, que je reste, que je, je travaille. Et je pense qu'en janvier, euh, j'espère euh, que ça va reprendre, mais c'est un petit peu volontaire. Comme euh, tu vois, je suis, comme je te dis, en autoproduction. Euh, bah, je fais tout, quoi. Je n'ai pas de graphiste, je n'ai pas de penseur pour moi, pour les, les phrases, j'ai rien. Mmh. Je fais tout. Donc euh, là, je vais un peu me poser. Et, et janvier, j'espère que ça va un petit peu redémarrer, quoi. Ok. Bon, avant qu'on se quitte, si tu peux juste répondre euh, à cette personne qui vient à peine d'arriver. <laughs> une fois ah, que le live est fini, une est fois vrai, que le est live est oh, de quoi vous parlez déjà Pourquoi vous êtes réunis C'est quoi les marrons Bon, réponds. <laughs> bah oui, voilà. En communément parlant, les marrons, c'est les personnes qui fuient les plantations pour se réfugier dans les hauteurs des îles ou des pays et qui refusent d'être euh, un captif. C'est rentré et il y a des gens qui posent la question concernant 7. Mais pourquoi 3-7 Les gens, ils veulent savoir. Les gens sont curieux. Ah, mais j'en sais rien, je ne sais pas. <laughs> elle a fait ça au hasard. Amis, vous avez ça aurait vu pu <laughs> être 1, 2, 3, mais je ne sais pas. Je me dis comme ça, je vais le retenir. Ah les, non, non, mais. Les gens, ils sont partis en mode mmh. numérologie, glande euh, ah non, non. pinéale, ça y est, elle est. Ah initiée, non, 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 non. Tout non. Ça de ça. non, non, non. Si <laughs> <Tu rire> j'avais mis 3-6, alors là. Oulala. Là là. Ouh là là. <laughs> bon, bah écoute. Euh, Matondo vraiment merci d'avoir fait le déplacement. Bah, c'est moi merci ouais, là, et puis est, encore, est... encore désolé pour le, le retard. Il y a pas de souci l'essentiel oui. c'est que tu sois arrivé oui. et que tu puisses aussi rentrer tel que tu es arrivé. Oui. Et que les ancêtres t'accompagnent durant tout le trajet parce merci. que tout ce que tu as fait pour la communauté on te dit Matondo. Merci. Matondo et encore Matondo. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Bon et les déjà, amis tous ceux qui <laughs> m'ont écouté respect et... et oui nous sommes nos ancêtres voilà. Effectivement. Oui ils vivent à travers nous qu -ce, qu -ce que tu, avant qu'on se sépare qu'est-ce que tu dirais aux jeunes parce que cette, cette émission est écoutée aussi par les enfants bizarrement je, je viens de le découvrir donc qu'est-ce que tu dirais concernant pour les enfants, concernant les marrons avant qu'on se quitte bah, je dirais que ce sont des héros ce sont des héros, ce sont des personnes qui, qui refusent euh, c'est comme si on prenait un enfant, on lui disait euh, bah, écoute cet après-midi tu vas rester dans le placard parce qu'il euh, pleut, tu ne peux pas travailler la terre, tu restes dans le placard pour ne pas t'abîmer, l'enfant ne comprendrait pas. Donc euh, non, les marrons, ce sont, je dirais aux enfants, ce sont des personnes euh, comme tout le monde, et qui se révoltent, qui se, qui se mettent en colère dès lors qu'on qu ne les considère pas comme des humains, mmh. pour, pour faire simple. Mmh. Oui. OK les amis, bon, c'est plié. Alors demain, on est ensemble. Euh, ça va parler de quoi demain Ben on va aller au Congo pour euh, parler d'un peuple les Bashi. Euh, il me semble que c'est demain. Oui, attendez, euh, que je sois sûr. Euh, oui, c'est demain, c'est demain. Donc demain nous allons parler des Bashi, d'accord Donc soyez nombreux. Je ne connaissais même pas ce, ce peuple et euh, je pense que ça va être super, super, super intéressant. Euh, ensuite, j'ai quand même du lourd qui va arriver bientôt. Il euh, y a un frère des États-Unis qui va nous parler du calendrier Kemit qu parce qu'il y a un sacré bordel, je vous avoue. Surtout que là, euh, les fêtes vont commencer à s'enchaîner, mais euh, on n'est jamais sûr sur, sur les dates. Alors, d'autres vont fêter telle date, d'autres des telles dates. Et euh, j'ai quand même certaines questions pour clarifier parce que euh, c'est un peu compliqué cette histoire de calendrier Kemit. Donc, euh, soyez nombreux. Sinon, j'ai le frère Irrité jenny qui sera de retour sur cette chaîne. Le frère qui me. À chaque fois qu'il vient ici, j'ai des problèmes avec YouTube. Donc, euh, le live, il ne sera pas fait sur ma chaîne principale. Le live sera fait sur ma chaîne secondaire. Donc, ma chaîne secondaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Tanawa. D'accord Vous tapez Tanawa et vous allez tomber sur la deuxième chaîne de Mobali. Euh, il faudra vraiment, vraiment euh, être présent. Le sujet que nous avons choisi est délicat parce que ça va parler des mangeurs de maïs. Vous avez bien compris ce que je viens de dire par là. Parce qu'il y a certains mots que je ne peux pas prononcer. Et c'est pour cette raison, vu le sujet, comment il est délicat, euh, je n'ai pas envie que ça soit sur cette chaîne-là. Donc s'ils veulent sauter la chaîne, qu'ils sautent la ch chaîne secondaire. Donc je le dis et je le redis. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Tanawa, abonnez-vous et on se retrouve. Alors je, la date, je, sais, je pense que c'est le 6. Si ma mémoire elle est bonne, ça sera avec le frère Irrité Jenny, D'accord Ça va être lourd, très lourd. J'ai demandé au frère, euh, pour que le live tienne, <laughs> euh, de parler en code. Donc, il y a certains mots que nous ne pourrons pas prononcer. Mais les amis, il faudrait, il faudrait être inspiré. Il faudrait ouvrir votre glande pinéale pour comprendre ce qu'on va dire euh, en code. D'accord C'est pour éviter qu'on ne prenne des strikes c'est pour éviter que le live saute. Euh, tout cela, tout cela. Donc, euh, les amis, il faudrait être attentif. Et dès que le live est terminé, je pense que je vais le supprimer. D'accord Je pense que je vais le supprimer. Euh, parce que euh, je connais le frère, il va venir, il va tout bousiller. Comme la dernière fois, il est venu, il a tout bousillé, il a dit des choses et des trucs. Et euh, voilà, donc moi, je sais à quoi je m'attends. Je sais que ça va être chaud. Donc, je le dis, le sujet, ça va être les mangeurs de maïs en Afrique et les, con les conséquences dans la communauté noire d'accord et quand je dis de maïs ne croyez pas qu'il s'agit de maïs euh, je parle bien du maïs ok je parle d'un certain maïs et là nous sommes apparemment tous abonnés là, à ce type de maïs dans la communauté noire et les conséquences en afrique et tout le plan et à quoi ça sert et à quelle communauté ça bénéficie donc quand j'ai dit ça les amis vous m'avez compris que ça va être vraiment très 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 chaud mais moi même moi même j'ai un peu peur j'ai un peu peur pour moi même mais bon c'est pas grave à la guerre comme à la guerre on va faire ce live et puis les conséquences arriveront et s'il y a des conséquences. Tant pis. Sur ce, les amis, on se retrouve demain, même heure, avec ton, toujours ton ton, ton bali Et euh, parce que je suis un professionnel, je vous quitte avec un générique. Au TEP. <muches>